Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Bienvenue sur le rendez-vous quotidien AltisLifeFrance.com, 20h minuit, comme en bonne habitude. Et toujours avec le fameux Dédé le thug de la police. Et ouais. Je suis un thug, ouais. Je suis un thug, mais je reste policier quand même. Bref. Bienvenue à tous, merci de votre fidélité, merci aux nouveaux followers de cet après-midi, merci à tous, ça fait énormément plaisir. J'espère que vous allez prendre du plaisir ce soir à nouveau, j'espère qu'il y aura encore des belles actions RP, des belles conneries en visu de notre Spring Fellow préféré. Enfin bref, merci à tous, merci aussi de vous follower pour la chaîne, pour ceux qui n'ont pas encore followé, on va bientôt atteindre la barre des 300 followers, ça va être magique, merci à vous. Merci à ceux qui se sont abonnés, merci aux donateurs et à ceux qui ont donné. Merci à tous, j'espère que je vais vous faire plaisir ce soir encore et je vous dis bon live, amusez-vous, éclatez-vous, faites rire, faites des commentaires à gogo, n'hésitez pas de dire ce qui va pas, discutez entre vous, partagez, nous sommes une communauté avant tout. Merci à tous, bon live, amusez-vous bien et let's go for the Spring Fellow TV Show. Salut les PD! Respect mon commandant préféré! Ça va ou bien? Très bien, et vous regardez, j'ai fait la pêche du matin pour vous. Oh, sérieux? Ouais. Oh putain! Oh. Mais respect mon commandant! La vache, un filet de soupe! Salut Cabinou! Alors? Fais une blague. Une blague? Une blague. Ok, 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 attends, ça va venir. Non, en fait, j'ai pas envie de te parler. Blague marrante. Merde, pourquoi je fous ça par terre? Salut Crépy, ça va et toi, tranquille? Salut Mikey, salut Firest PVP, salut Nerilo, salut Trunks, salut à tous, comment vous allez? Vous êtes chaud? Est-ce que vous êtes chaud sur le live, les gars? Est-ce que vous êtes chaud? Est-ce que vous êtes chaud? Ah, j'ai plus de pognon. Bah oui, j'ai plus de pognon. J'ai plus de pognon, les gars. C'est lequel, le adjudant chef? H1, H1, H1P4. Ça marche. Je suis en train de bouffer le panneau, peut-être, non? Salut, Nick Nick. Salut, t'es qui? Ah, salut, Jora. J'adore ces conneries. Parfait. Laisse mon trou de balai, brigadier. Sors de. Ok, bon. C'est bon, c'est bon, tout est bon. Ouais, ouais. Elle est belle ta voiture. Ah, ouais, je sais bien. Qui me poque sur TS là? T'as combien de garros? Je sais pas. 3, 4, 5. En courant. 2 millions, 100 millions, quoi? Ou t'es toi, mon biche? Allez, cours, ta fête, cours. Attends, parce que. Attends, arrête-toi deux secondes. T'inquiète, j'ai pas. Comment ça se fait, ça veut pas te fouiller? Les Vipers, c'est trop des killers! Non mais. C'est moi ou c'est. C'est dans le SK, effectivement. C'est bien lui. Je vous pisse tout ça. Comment ça, qui c'est qui parle de moi? Les Cobras! C'est... Mes copains! T'es où? Ah, t'es où? T'es pas là. Un, deux, trois, quatre, un, deux, trois, un S, parfait, allez hop, moi je suis bon. Qu'est-ce que tu fais, Odor? Odor? Plus je te regarde, plus tu me fais penser à ma femme. Et plus tu me fais penser à ma femme, et plus bah, j'ai envie de te baffer en fait. Oh.
On va voir si tu montes pas trop. Ouais, je fais un gaffe. Ça gratte un peu les cheveux, mais si je chauffe déjà, c'est bon. Ben... Mais respect, mon commandant. Respect, mon commandant. Non, 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 je réponds pas là. Non. Non, il est pas d'accord. Respect, mon commandant préféré. Ah, lui. Ah, 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 allez, et il pèse la dédicace à Dédé. Bif Dédé et monte-moi le cul. Allez, c'est parti. Allez, c'est ce que j'allais dire. Pourquoi tu montes ton cul? Allez, allez, les gars, là. Allez, montrez votre cul. Allez, allez, hop, c'est parti. Octavia, hésite pas. Hein. De quoi? Mais en fait, je suis pas là, je suis occupé. Bah, excuse-moi. Ah là, voilà, 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 voilà. T'es lieutenant, t'as du pognon, toi? Hop. Ah, t'es du cul. Dis-lui à Donc, c'est un con. Dis-lui à Donc que c'est un con. Ça marche, je lui dirai. Salut Jason, comment ça va? Salut ma petite modératrice, comment ça va? Ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Ah non, t'es à côté. Salut ta fiole, bienvenue. Belle journée. Salut. Belle journée pour mourir. Exactement. Pour vivre. Non, pour défoncer du robin, mon commandant. Oh, papa, 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 papa. Bon. Oui. Y'a moyen que je monte dans un véhicule et que je puisse aller faire quelque chose ou pas vite? Est-ce que j'ai bien entendu ce que j'ai entendu? Il a envie d'aller chier sa race, mon commandant. Il a envie d'aller chier dans un véhicule, je trouve pas ça ouf. T'es en train de dire que tu veux chier dans ma bagnole, en fait? Non, non. Bon, les gars, je suis déçu de votre part. Y en a qu'un qui a réagi, qui m'a offert un cadeau. Je suis déçu. Eh, mon commandant, donc du... Donc du coup, ouais, c'est votre anniversaire, chef. J'attends. Mon commandant. Salut Monster, comment tu vas? Mon commandant, j'ai un autre cadeau pour voilà, vous. Voilà, pour vous. J'ai c'est vous, bande de cons. Tenez mon commandant, je vous offre mes cheveux. Merci. J'ai une musique contre les cobras. Ah, vas-y. C'est les cobras sont des tocards et les vipers sont des killers. Ah ouais? Ah ouais, c'est pas mal ça. Ah. Ils ont insulté mon commandant. Ouais, mais ça c'est ballot, il a traîné ses cheveux, il a glissé dessus. C'est méchant. Ouais, gna gna gna, il m'a glissé dessus et tout, hein, je suis déçu. Les cobras, c'est des tocards, les vipers, c'est des killers. Non, les cobras, c'est dans le placard, les vipers, c'est des killers. Ah ouais, pourquoi pas. Ah, c'est pas mal ça. Non, c'est pas mon genre, les gars. C'est dans le placard et les vipers, c'est dans le strike. Bon, qui c'est que j'ai pas vu encore ici? Angolo, toi t'es là. Angolo, 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 Angolo. Un golo roux avec une barbe blonde. J'ai déjà vu ça quelque part, moi? Non. Ici, Fashion Week. Bellucci, c'est comme d'habitude. Sneed, c'est comme d'habitude. Redfield, c'est content d'être major? Toujours, toujours. Profitons, ça va pas durer. Oh quel commandant, vous avez reçu les 200 000 ou pas? Toi aussi. Ouais, c'est quoi ça? C'est... l'amende que j'avais mis. Les mentes que t'as mis? Oui, en fait, c'est Vinny qui a mis l'amende sur le site parce que vous n'arriviez pas à m'inviter, du coup. Ouais, d'accord. Ouais, mais il les a mis sur le doc ou pas? Bon, vous me faites chier avec le pognon là, moi je sais pas gérer moi ça. Bellic. Ok. Cabino! Putain, Cabino, Maschetto! Devant moi, présentez-vous, je vous connais pas, allez, c'est parti. Non, en fait, fermez vos gueules, sautez dans l'eau. Allez hop! Sautez pas, bande de cons! Saute! 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 Pourquoi près de l'échelle? Il sait peut-être pas nager, hein? Encore un Douglas, quoi. Encore un Douglas! Oh là, voilà, c'est bagarre, là, hein! Bon! Bon, plus sérieusement, il est pas là, le sous-lieutenant, avec ses notes de service qui durent 3 ans? On est pas là. Non, le sous-lieutenant ne sera pas là ce soir. Ah bon, ok, d'accord. Bon, ça arrive. Faut bien qu'il ait une vie aussi, ce garçon, parce qu'il s'ennuie. Mais pourquoi vous avez besoin de cadeaux? C'est votre anniversaire? Non, c'est juste parce que j'ai pris mon service. Ah, parce que moi, on arrive à un certain âge, je suis pas sûr qu'on fête encore les anniversaires. Bon, pour les jeunes recrues, bienvenue dans Viper. Bienvenue, vous avez passé les tests de sélection pour ceux que j'ai pas vus. Sachez que moi, j'ai une devise. La devise, c'est simple. Un pour tous, tous pour un. Je serai le premier homme à poser le pied sur le sol de conflit et le dernier à l'enlever. D'accord? C'est beau, major. Ça fait un peu ouais. Ouais, major. Merci, recrue.
Voilà, moi je fonctionne comme ça. D'accord? Je m'occupe de vous à condition que vous respectez mes règles. Vous prenez du plaisir. Je veux une forme de cohésion. Nous sommes actuellement 16, nous formons qu'un. Donc nous sommes 16 cerveaux pour 1, et pas comme les to-be-free où nous sommes 2 pour 3. D'accord? Nous sommes 16 pour 1. Le canal groupe, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est là où on parle sérieusement de cuisine, de plats cuisinés, de conneries et d'Orcanirina et Odor qui jouent de la flûte. Mais ça, on s'en fout. L'harmonica. Par contre, les ordres sont prioritaires. Voilà. Je veux que vous preniez du plaisir dans mon groupe. Si vous prenez pas de plaisir, la porte, elle est chez Cobra. Ça, c'est bon, ça. Ensuite, sachez une seule chose. Je suis le thug de la police. Donc, quand j'aurai quelque chose à vous dire, je vous cracherai à la gueule, je vous pisserai dessus, je vous éventre. Moi, ça me dérange pas, mon commandant. Ok. Si vous faites prendre en otage, le premier qui parle, s'il survit, c'est moi qui le bute. C'est aussi simple que ça. N'oubliez pas que notre gouverneur a mis des nouvelles règles en place. Voilà, sur ce, pour l'ensemble, garde à vous. Non, je plaisante, on s'en fout. Allez, Odor, Redfield, t'es major, tu prends le lead et tu m'organises les groupes. Mon commandant ? Quoi ? Je peux vous parler ? Pour les cobras, parce qu'on a 3, s'il vous plaît. Bah, dis-le devant tout le monde, on est une famille, on est un groupe. Je peux avoir une voiture, s'il vous plaît ? Il y a que de la merde. Ouais, tu vois, tu en recrue. Pas de problème. Major, ah merde, me suis trompé. Ah merde, excuse-moi le noir blond roux. Déjà, pour la radio les gars tous, vous êtes tous en secondaire sur la 2. Salut Daniel, comment tu vas? Merci d'être présent, merci à tous. Quand on vous dira de passer sur la 2, et vous passerez sur la 1 quand on vous dira de passer sur la 1. Au niveau de la longue portée, je m'en occuperai, je vais en prendre une sur le dos. Voilà. Donc je vais pas rester une... Mais toi t'es vraiment en train de pisser sur lui ou je rêve? Non. Du coup, il y a combien de recrues? 1, 2, 3, 4 recrues, il y a combien de brigadiers? 1, 2, 3, 4 avec moi, un major. Qui veut tester les médecins? Casse-toi, Odor. Moi j'étais bien en médic, moi. Tu veux refaire ou pas? C'est Redfield, cool. Il est chaud. Salut, c'est Parle Bambou, comment tu vas? Merci d'être là, présent, merci à toi, merci à tous de votre fidélité, merci à tous. Casser les couilles. Qui veut venir au contact avec moi? Qui veut dire avec moi? Moi. Non, pas toi. Bon, tu veux prendre une recrue, commandant, ou... Hein? J'ai compris, major. Non, là, ouais, je vais prendre une recrue, moi. Choisis. Bon, une recrue avec moi, alors. Allez, hop, Charlie. Jora, vous mettrez en Charlie, commandant. Tu veux venir avec moi, toi? Tu sais conduire? Moi, je vais mettre en mode fin... Fin. Mais moi, je sais conduire, moi. Moi, je sais conduire, moi. Ta fiole. Tu vas crever, tu vas... Monsieur le commandant, tu la vois, celle-là? Tu la veux tout de suite ou j'attends un peu? Mon commandant, excusez-moi. Préféré, bordel de merde. Si t'oublies préféré, ça va chier, t'as compris? Commandant préféré, je ne vous toucherai pas la cuisse pendant le chemin. Ne vous inquiétez pas pour ça. Ouais, on se... Commence pas de terre. Non mais... Je suis qu'un tag, ouais. Alors, ouais, j'espère que j'ai ma voiture quand même. Ah ouais, là. Oh là, putain, un seul freeze. T'as une trousse? Ma fille, je vais la mettre dans le véhicule. Ouais, ce serait pas mal. C'est quoi cette arme de merde là? C'est quoi ces chargeurs de merde là? En vrai, mon commandant, je peux avoir une. Une GT500. Une GT500, tu payes combien? Je sais pas, écoute, combien? Bah, tu montes en grade et t'en auras une. Commandant, il y a quoi de préféré? Hein? S'il vous plaît. Quoi? Putain, vous faites. Non, j'ai pas de Tessa, j'en ai qu'une. Bah, une autre voiture alors. Bah, je te sors une 308. Une 308, ouais. 308, c'est bien. Une 308, c'est bien. Putain, vous faites chier les mecs, hein. Ouais! Vu qu'on a une idée con et qu'on a pas assez de grade, il nous faut une arme plus forte, s'il vous plaît. Ah non, je suis con, il y a le major. Major Redfield, j'ai besoin de vous. Ah ouais? Si, j'arrive. Ah ouais, ça? Ouais. Je vais regarder ce qu'il y a dedans. Comment ça, on va faire avec? Ah, sûrement, oui. Pas là, c'est sûrement. Tellement beau que. Il va falloir que. Douglas. Tiens, tu donneras avec les autres. Merci. Quel. Normal qu'il y a mort là? Ouais, c'est un sans cerveau. C'était quoi? Sans cerveau. Tu parles de toi ou tu parles de lui là? Ah, lui.
Ah d'accord. Oui, c'est normal. Commandant, si vous avec votre nouveau là. Ouais. Regardez-vous, vous êtes un Charlie, commandant, vu que vous avez une grosse arme qui défonce tout. Des dés. J'ai mis juste un dé, il manque juste le dé, le deuxième dé. Ouais, mais moi je vais prendre un snipe en plus. Ah oui, j'ai eu des infos, apparemment il y a une banque. Encore, ça change pas d'habitude. Blague. Est-ce qu'on pourra faire la stratégie plongeur cette fois sur MK10? Ça casse un peu les couilles là, les banques là. J'avoue, mais bon, on doit faire avec. Non, mon Jason, après, après la cérémonie, t'es pris, t'es policier en fait, et après t'auras des tests en là, interne mort, pour pouvoir accéder à des fonctions et à des armes différentes. Voilà, tout simplement. Dylan, t'es mais sinon, avec qui, t'es avec Kelvin? Avec Sneed, ouais. Ok, super. Mike, il est avec Hatfield. Et Odor, t'as un véhicule ou pas pour nous? On sort une Chiron. Il est où le jeune avec la Tesla là? Douglas, c'est qui? Je suis ici, mon commandant. Tu te fous de ma gueule? C'est toi qui as garé la Tesla là-bas là? Putain, ramène-la devant moi là, bordel de merde, t'as cru que j'étais commandant, que je servais à rien? Putain, sans déconner. Ouais, s'il y a moyen de lui filer une petite par CS, une petite batteuse là pour que vous puissiez faire un massacre à deux. Ouais, t'inquiète, je vais filer ça. Contre moi, c'est du 5,56 hein. Ouais, pareil, va voir avec Kelvin et Red. Ah, mais non, mais c'est que pour les autres. Il est mon commandant préféré. Ouais, c'est mieux. J'ai mis la trousse dans le coffre. Ouais. Tu sais pourquoi dans le coffre? Matif, comme ça, vous aussi, vous pouvez réparer le véhicule. C'est bien, fiston, c'est bien. Allez, viens, je vais t'équiper. Il faut une arme aussi. Attends, parce que... Et voilà, bravo, maintenant j'ai plus affilé au panneau. Ah, c'est comme d'habitude. Eh, les gars. Mon commandant, je sais que vous ferez un plaisir. Vous pouvez me tatane, s'il vous plaît? Ah bah oui, bien sûr. Avec plaisir. On veut tous une tatane. Sneed, il mérite une tatane, il vous a volé la tatane. Ah non. Sinon, Redfield, t'as cru que c'était ta gonzesse le panneau ou quoi? Non. Tiens. Ah bah ça, y'a une caisse ou quoi? Je crois que j'ai pas USPS pour faire une situation. Génial. T'as quoi du coup? Ouais, y'a moyen d'essayer d'en sortir une ou pas? Pour qu'il y avait parce que du coup, ils seront les deux un peu loin. Parce qu'il faut lui sortir de l'arbre. Putain, je suis venu de prendre 5 par 5. C'est vraiment 5 par 5. Masketo, va foutre ton arme dans la caisse. Attends, je t'en prends 5 encore. On a une caisse ici ou pas? Bah ouais, non, là, on a pas de caisse. Non, bah, faut juste ça dans une voiture. Ouais. Oh, y'a tout le monde qui passe. C'est appréhendé. Une petite arme. Une grosse batteuse pour Jorah, hein? Tiens, viens là, toi. Espèce de tarlouse. Sneed, attends. Viens ici. Ouais. Je vais mettre ça dans le véhicule, mon commandant? Bah, c'est pour toi, connard. Ah, merci, mon commandant. Je manquerai juste le silencieux, du coup. Je vais chercher le P5, j'arrive. J'ai un petit bug, j'arrive. Hein. Pourquoi j'ai dit connard? Ça se dit pas connard. T'as un bouclier ou pas? Ok. On manque d'affection entre nous. Viens là. Silencieux. Tout le reste, c'est ok pour toi? Moi, c'est bon. Ok. C'est bon. Ouais. Des fois, je suis vulgaire. Je devrais pas. Des fois? Ouais, des fois, je suis vulgaire. Okay. Je m'excuse d'être vulgaire les gars, parce que vous êtes quand même des gamins. Du coup tout le monde est bon au niveau des armes? Non, vous en veut pas, on a l'habitude. Point, ouais, je sais. Tu fais quoi toi? Pareil comme Oh putain. Oh, y'a plus de bipier là. Putain, elle a pas été envers ma putain de merde là. Y'a plus ouais, de bipier sur les M200. Okay. Je te prends une SIG aussi. Ouais. Est-ce qu'il y a un shield qui protège mieux que l'autre? Ouais. Oui. Mon corps. Tu me sortiras pareil 90 000. Okay, pourquoi il n'y a plus de bipier là? Parce qu'il est déjà intégré dans le M200, mon commandant. Nya. Je vous entends. Ah, pardon. Oui. Et alors, tu attends quoi? Lui protège pareil que. Oui. Alors, est-ce que les balances sont prioritaires? Alors, les balances sont pas prioritaires. C'est quoi tout ça là? Mais attends, c'est quoi toutes ces munitions là-dedans? T'as cru que ma voiture c'était un dépotoir ou quoi? Excusez-moi mon commandant, je reprends ce que j'ai déposé. J'ai accepté mes excuses mon commandant. Ouais, c'est bien. Clac, 4, 2, 6. Clac, clac, clac. Bon bah allez, nous on est prêts hein. T'en penses quoi? Vous êtes bon, allez, prends la voiture, on se casse. Vous êtes bon, Viper, là, ou pas, là? Allez, merde. Allez, merde, putain, le crime n'attend pas, les gars.
n'est pas encore assez haut gradé, on peut pas faire tout ce qu'on veut. Ouais, bah ça, vous montez en grade. Non. Je t'ai donné les clés de la bagnole ou pas? Négatif, mon commandant. Préféré. C'est quoi ton nom? Jura Cabino, mon commandant. Putain, t'es né où, toi? Je suis né en Russie, mon commandant. Hein? Je suis né en Russie, mon commandant. Ah, bah encore un putain de Ruskov, quoi. Putain. Du coup, pour tous, un vitesse max 130 km/h pour le gros bordel de machin. Vous avez pas de boulot en Russie, là, pour que vous soyez tous russes, là? Comment ça se passe, là-bas, là? Vous avez des putes, de la vodka, ça vous suffit pas? Non, mon commandant. Oh là là. Qu'est-ce que tu veux, toi? Tu veux quoi, Odor? Je vais mettre un coup de pompe dans sa caméra, il va rien comprendre. Vas-y. Il admire ta chevelure. Allez, Viper, on se mène le cul, s'il vous plaît, là. Le crime n'attend pas, et moi non plus. Passage Canal 2. C'est trop long, là. Ah merde, il faut... j'ai oublié un truc. Vu que je suis lead, il faut que je... prenne la longue. Prenne la longue. Putain, ça déconne. Ah merde, j'ai oublié un truc, je crois. 76. J'ai mon téléphone, j'ai ma radio, j'ai mon pistolet, j'ai ma mitrailleuse, j'ai la trousse, j'ai les chargeurs, j'ai le sniper. Allez, c'est parti. Merde. Hop, pardon, les gars. Ça te va comme ça, Odor, ça te va? Ouais, c'est vrai. Hein. Bah, c'est parce qu'on meurt plus souvent, en fait, Jason. Hein. C'est pour ça que c'est moins cher. Je vais prendre une longue et je suis là. Spring, quand la candide flic, ça j'ai répondu, ça roule nickel. Est-ce que les balances sont prioritaires pour entrer dans la police? Espèce de balance, carrément c'est une balance. Ah la poucave, la poucave. Pouah, comment c'est pas cher les armes? Pouah, 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 motherfucker like. Ouais, c'est vrai que c'est pas cher, parce qu'on meurt beaucoup en fait. Tu vas voir ma conduite, elle va être parfaite. Ouais, c'est ça. C'est ça, ouais. Vous avez des doutes, mon commandant? Ta gueule. Je crois que tu t'es fait insulter. Non, c'est pas une insulte, ta gueule. C'est juste un conseil. Ok. Allez, passage Canal 2, Piper, c'est bon ou pas? Affirmatif, j'ai rendez-vous. Alors, maniez-vous le cul, on se casse en avant, cavalerie. Ah oui, c'est vrai. Heureusement que les rebelles nous attendent. Ta gueule. Vous parlez vraiment très mal, brigadier, hein, je vais faire un rapport. Si tu fais un rapport, t'es une recrue. Et alors? Lol, Jason. Il y a une vidéo qui a sa radio en parlant. Ah, c'est moi. Vous avez changé la track du Canal 2, non? Non. Allez, mettez un point 1 à Canal 2, là. Bah non, c'est bon. Moi, bon, j'ai... c'est bon. Allez, 500, on l'a associé avec un effet, toi, quand. Ah. C'est bien pris. Attends, tu m'attends là? Attends-moi là. Hein. Oui, mon c'est reçu. Dans le lent, désolé les gars, je vais faire un petit voilà. Du coup pour tous Ah bah c'est pas là. Merde. Il est où ce putain de con? Ah merde, il est là. Non, il est pas là. Il est où ce con? Ah, il est là. Putain. C'est pas Alid, vous êtes disponible. Actuellement sur Atira, on a un Ifrit. Ouais. Oh. Il prend. C'est qui le problème? Ouais, qu'est-ce qu'il y a? C'est... Ah, c'est toi? C'est quoi ton problème? Ah, ouais. Ah, c'est moche. Rentrez pas. Ouvre-moi-le, s'il te plaît. Ouvre-le, s'il te plaît. Il est ouvert. Ah ouais. Ah là, y'a rien dedans. Je peux pas rentrer. Ah ouais, c'est ça le souci. Chef. Si, Dédé, il est déverrouillé, Ouais, mais je peux pas rentrer. Ah ouais, bah tu m'attends. Hein. Aussi. Ah non, c'est putain, pourquoi je peux pas rentrer là? Pourquoi je peux pas rentrer? Putain,
Là, je fais ça encore une fois, mais je te toucherai, mon pote, que je vais te péter ta gueule. Pourquoi je peux pas rentrer là? Il est ouvert là, ton truc? Oh, ouais, il est ouvert. Mais je peux, y a pas de point, y a rien là. Mets-toi peut-être en god et passe en tour et peut-être. Mais ça y est, c'est fait. Ah putain, merde! Y'a pas le point pour le mettre en fourrière? Non, y'a rien. Oh, putain. Bon. Bah, je peux rien faire. Super! Ah. Vous avez tenté de mettre une. Mets-toi. Ah ouais. Une herse ou une barrière? Une herse peut-être. Wow. Attention, faites gaffe, les gars! Voilà, puis là, normalement, ça devrait être bon. Ah non, c'est pas bon. Quelqu'un a une barrière? Nick, t'as pas une barrière? Ça ne l'est pas. Nick. T'as, tu peux foncer dedans s'il te plaît? Nick. Ouais, j'ai pas de points, hein. J'ai rien du tout. Hein. Attends, on va essayer de t'abrouiller, on va essayer la barrière, Pierre. Attends, hop, bouge pas. Attends deux secondes. Merde, je peux rien faire en fait. Ah, je peux même pas. Je peux même. Attends, on a une barrière, puis on va essayer. Ouais, vas-y. Tiens, viens au camp là, sur moi. Ça, j'ai pas de points, j'ai rien. Ah, c'est pas ça, on sait pas ce qui s'est passé. Ouais, ça va. On t'est blessé. Non, mais t'inquiète, c'est bon. Ouais, je le vois là. Essaye de poser la barrière en dessous. Il va faire un backflip. Faut reculer, les gars. Quoi? Attends, on va réessayer. La barrière ne fait pas le poids qu'on passe. C'est la première fois que je vois un Viper dans le corps rebelle. T'as vu un peu? Ouais. Ce sera pas la dernière, fiston. Parce que quand je viendrai te chercher. La dernière, t'as raison. Vas-y, on vous attend. Bon, la technique. Bon, bah laisse tomber. Ouais, laisse tomber. Vous l'évitez le truc, je peux rien faire, y'a pas de point, y'a rien. Tu peux pas monter dedans et te. Non, je peux. Bah non, j'ai essayé, tu penses bien. C'est pour mon arme. Tu supprimes peut-être. Bah, et même ton arme, c'est pareil. Hein. Oh, mais il est coincé des nids-frites. C'est de le mettre derrière, ouais. Non, elle veut pas, hein, elle veut pas. Ouais, non, elle veut pas, ça. T'es bugué. Ouais. Voilà, lâche-la, là. Ouah. Mais là, il est... Non, il est full bug. Non, il est full bug, les gars. Désolé, je peux rien faire. Je crois qu'il est monté dedans et il s'était perdu. Au revoir, monsieur le Viper. Ouais, mais moi, je peux pas monter dedans, en fait. Ouais, bah là il est bugué, bugué. Là il est bugué, Non. Bon allez les gars, bonjour à tous. Plus. Normand. Ah non. C'est à qui les frites là? Je pense qu'on devrait aller. Mais moi je la vois l'arme là, qu'est-ce qu'il faut pour la récupérer? Oui. Désolé à tous. Allez, j'ai avec mon petit problème. Ouvre! Désolé mon commandant, j'ai reçu l'ordre d'avancer. Ouais, t'as bien fait. Oui, peut-être. Tu peux te TP dans la voiture? Non, je peux pas. Une fois que je suis dans la voiture, je peux me TP, mais une fois que quand je suis à l'extérieur de la voiture, je peux pas TP le véhicule en fait. Le truc, il est là. De Cobralite pour les unités Sofreni, est-ce que c'est code noir? Actuellement non, on est en train de négocier avec eux, mais bon, ça va un petit peu genre ça. T'as cru que t'étais en balade ou quoi là? Non, pourquoi? Ah, c'est bien pris, mais faut se dépêcher qu'il fasse pas comme hier, nous prendre des otages et qu'on soit bloqué. C'est juste que ça.
ça me perturbe de pas avoir le bout de la voiture. Hein. Moteur, Bah ouais, hein. C'est une Tesla, mec. Hein. Je dirais que je suis en trottinette électrique. Si j'ai un quick mount, John, Jason. Mais avec le quick mount, ça monte pas en fait. J'ai essayé. Mais je vous dépose les conseils avec mon commandant. J'ai pas les annonces là. Frigny là. Frigny ? Si. Alors, tu vas jusqu'à Frigny déjà. D'accord, mon commandant. On va déjà voir ce qui se passe déjà. Tant qu'on arrive, tu sais. Salut Kazor, bienvenue à toi, merci d'être présent, comment tu vas? Salut Mazdo, merci pour ton follow, merci d'avoir rejoint la chaîne. Je t'invite aussi à nous rejoindre sur Discord et t'abonner sur YouTube pour revoir le live de ce soir, les lives que tu as ratés précédemment. Merci à toi et bienvenue dans la famille, mon loulou. PMA, il n'y a pas de sécurité civile, donc la PMA, c'est la tranquille. Ça va, tranquille. T'as entendu mon commandant ? Oui, j'ai entendu. Vous avez une longue ? Ah non, vous avez la longue de la voiture. Moi, j'entends la longue, ben, j'entends la longue de ma course. Je t'impressionne là. Négatif, ouais. Mon commandant. Comment ça, non? Parce que vous avez le droit, vous êtes le plus beau, mon commandant. T'es vraiment un lèche-cul, toi. Affirmatif, mon commandant. Putain, c'est la première fois que je te vois et tu me fais déjà penser à un lèche-cul, quoi. Sinon, il y a des routes pour rouler, hein. Bordel de merde. T'es prêt? Qui est le plus fort et le plus beau? C'est le commandant Springfellow. Voilà. Affirmatif, mon commandant. Si tu veux partir, rentre dans le wagon. Le commandant Springfellow. Mange des tacos. Écoute, tu peux pas ta position, s'il te plaît. On reste en retrait, mon commandant. Ouais, on reste un peu en retrait. Ça a rien d'être comme des mouches à merde, c'est une crotte. 7 spacks. Par contre, tu restes pas. Ouais, tu restes toujours proche d'une unité pour éviter de se faire prendre en PO. Ce sera pas mal. Bien reçu, mon commandant. Imagine que t'es un rouleau compresseur de pâtisserie, que t'es en train d'étaler une tarte. Salut mon petit Excalibur, merci à toi d'avoir follow la chaîne, bienvenue au 300ème follower, merci Excalibur, tu es le 300ème follower, merci à toi. Je t'invite également à te venir nous rejoindre sur Discord, putain j'arrive plus à parler, tu trouveras les liens en description et sur YouTube pour voir le live de ce soir, les lives précédents avant ton follow, merci à toi et bienvenue dans la famille, merci. Et voilà messieurs, dames. La barre des 300 followers est atteinte. Nous sommes une communauté grandissante. Nous sommes une communauté ex quoi ? Je vais mon commandant. Ex-bouillissante ? Ah, ça n'existe pas. Non, merci à vous tous. Merci à tous. Merci d'agrandir cette chaîne, cette communauté, cette famille. Merci. Merci à vous, 300 followers que vous êtes tous. Merci beaucoup. Ça fait extrêmement plaisir que nous avons atteint cette barre des 300. Nous sommes les 300 Spartiates.
Merci au 301ème Scorpion. Merci, merci. Oh là là, c'est le déferlement de followers ce soir. Merci Scorpion. Comme précédemment, je t'invite à nous rejoindre sur Discord. Et également sur YouTube pour voir le live de ce soir, les lives précédents et les lives futurs. Merci à toi Scorpion, merci à tous les gars, merci à tous. Voilà, la barre des 300 est atteinte. Objectif secondaire, votre présence et votre fidélité, messieurs. L'objectif, mais les followers, c'est que vous soyez présents, que vous soyez fidèles à la chaîne. N'hésitez pas à venir. Même si vous êtes en action, tout ce que je vous demande, c'est de pas stream stall. C'est tout ce que je vous demande. Que vous soyez présent, que vous jouez sur le serve ou pas, ça m'est complètement égal. Je ne veux pas que vous punissiez les autres joueurs du stream sur le serve, en fait. Voilà, évitez du stream stall, c'est tout ce que j'ai comme demande. Et respectez-vous les uns les autres et faites-vous plaisir, communiquez. On est une famille. Merci à tous, merci à vous tous. Voilà, vous êtes énormes. Merci aux 21 abonnés, merci à tous les donateurs, Nek, Infinity, Karemos, Mortaxi, Vailleron, enfin tout ça, de toute façon tout est en haut, tout se trouve là-haut. Merci à vous tous, vous êtes exceptionnels, merci à tous. Surtout Trunks le plus beau. Trunks le plus beau, ouais. C'est parce que t'es à côté de moi que tu dis ça ? Mortadelle, ouais. Merci à tous, merci à vos bits, merci aux dons, merci aux abonnés, merci à tous. Comme je l'ai dit déjà sur mes précédents lives, là je fais une petite aparté parce qu'il y a une petite pause action. Le streaming n'existerait pas s'il n'y aurait pas de viewers. Voilà, si vous n'existez pas, bah, le streaming n'existerait pas et ne vivrait pas. Voilà, c'est grâce à vous, et certains streamers ont tendance à l'oublier, c'est grâce à vous qu'on vit, c'est grâce à vous qu'on a du plaisir à streamer. Merci à vous tous. Bon, sinon, ce serait bien que tu enlèves ta main de ma cuisse, en fait. Tu vois ? Excusez-moi, mon commandant, je croyais que c'était le levier de vitesse. Non, c'est pas le levier de vitesse, c'est ma... Je me disais bien que c'était mou un peu. Ouais, pour l'instant. Mais je parlais du levier de vitesse, mon commandant. Oui, bah moi aussi. Ah, oui, d'accord. Par radio, ou c'est moi qui parle par radio, là ? Moi, je suis AFK dans une voiture, je regarde le live parce que... C'est reçu. Bah ouais, c'est clair, Jason. Mais bientôt, tu seras policier. Tous les Vipers, retour B1, on reprend l'ordre de base. Pour les Cobras, retour canal 3. Pareil pour la fin canal 2. C'est BA4. Je vais laisser passer les collègues, hein, vu qu'on est Charlie. Charlie Delta Commando. Tu oublies le lapin. Ah oui, c'est vrai, mon lapin préféré, ouais. C'est vrai, mon lapin préféré. Qui est par là. En fait, elle se trouve exactement là. On l'a pas profité, mais elle est un peu plus loin, là. Allongée comme une flaque d'eau dans un trou béant de boue. J'appelle ça un canapé. Moi, j'attends une place en flic. Ah, ça va arriver. Bah, c'est compliqué maintenant hein, qu'on est nombreux. J'ai fait. En fait, c'est un peu de ma faute s'il n'y a plus de place flic parce que j'ai fait du gros recrutement. Donc, forcément, bah, Endogo, ça va, les gens sont présents. Donc voilà. Affirmatif, on avait fait casser un pack, on avait des réponses. Alors, j'en profite pour qu'il y ait une petite pause aussi, maintenant que l'action est terminée déjà. J'ai. Affirmatif, deux véhicules sont en position. Par mon partenariat avec Instant Gaming, une clé de Escape from Tarknov. Un tout nouveau jeu en bêta qui est full PVP avec du loot. C'est même prix, merci de. Donc, du coup, je l'ai installé cette nuit. Et franchement, je suis très surpris par la bêta parce que la bêta est déjà énorme. J'ai pas encore fait de live dessus, je vais en faire un prochainement. C'est un super jeu PVP avec un mélange d'Arma, un mélange de DayZ et un soupçon de Rainbow Six. Un soupçon, hein, mais vraiment un petit soupçon. Et franchement, je pense que ce jeu est énorme. Énorme et je vais vous faire des lives là-dessus. Je vais vous le présenter soit tout à l'heure, soit demain. Parce que cet après-midi, j'ai pas pu streamer, j'avais du monde à la maison. Et je vais vous présenter le jeu Escape from Tarkov. Et franchement, vous me direz ce que vous en pensez. Donc venez me voir tout à l'heure ou demain. Mais pense plus demain après-midi, sur 14h, je vais vous faire un petit stream là-dessus. C'est énorme comme jeu. Après, chacun ses opinions, chacun ses goûts. Mais moi, je trouve. Oh putain, j'ai dit ok. Et je trouve franchement énorme. Jean, tu reçois canal 1 ?
Ouais. Donc je vais commencer à streamer là-dessus sur Escape of Tarkov. Je suis sur canal 2 là. Tarkov. Voilà. Non, t'es pas sur canal 2 là. Ouais, il est super chaud. Là, j'ai fait 3 parties Khazor et je suis mort 3 fois. C'est pas compliqué. Non, pas le canal. Mais franchement, c'est pas mal. Après, le PVP online, il est encore un peu full buggé. Mais c'est pas grave, mais ça va être. Franchement, c'est très prometteur comme jeu. Très, très prometteur. Le Scum, le jeu est mort. Ouais, le jeu est mort. Scum, il marche plus là. C'est fini. Alors, Jason, c'est une simu archi poussée aussi. Ouais, carrément. C'est clair. Hein. Salut Scaven, merci de ton follow. Je t'invite également à nous rejoindre sur Discord et également sur YouTube pour voir ce live, le live de demain et de tous les jours qui s'en suivent et les jams précédents. Merci à toi de ton follow, bienvenue dans la famille. Sur la A2. Ouais. Ok. Non, mais là en C2. C'est quoi ton plus fort? T'es tout nu. T'es tout nu, Belucci. Ah oui, Belucci. Ah, Paul, Belucci. Ah non, oh, t'as pas le mot commandant? Ouais, s'il te plaît. Peut-être t'as mis des redlocks ou quoi? Ah non, ça a toujours été là. Oh le mec! En fait, c'est une légende quand on dit que vous en avez une grosse. Là, c'est bagarre. C'est bagarre. Là, c'est bagarre, bon. Moi j'ai pas peur d'un noir sans équipement et avec pas grand chose dans le calbut. Ah bah là tu risques rien. Ça c'est fait. Je suis qu'un tag, ouais. Je suis qu'un tag, ouais. Non, ça je rigole. Arrête. Je suis très content. Hop, ça se voit. Super. Et là il essaie de parler quand même deux. Et d'un coup ça va marcher. Ouais, c'est clair, Scum il a pas marché du tout. Hein. Du coup il y a une banque. Ah oui, il y a des chances, ouais. A mon avis, ils sont en train de se préparer. Mais j'ai rien vu. Au commandant ? Oui, c'est moi. Vous comprenez que je sois pas spécialement content d'être avec un noir, on est d'accord ? Mais t'as de la chance, c'est un noir avec une barbe blonde. T'es content ? Montez mon commandant préféré. Attends, ouais, j'arrive. Ouais, encore, ouais, une banque. Bon, après, tant mieux, ils essayent. Franchement, moi, je critique pas du tout les rebelles qui font des banques tous les jours. Hein. Pas du tout, hein. Au contraire, je pense que ils perdent du pognon. Déjà, ils investissent du pognon dans des banques. Il faut pas oublier qu'un stuff rebelle, c'est quand même 400 000. Ils sont pas sûrs de la gagner. Ils investissent dans le sortie de véhicule ou l'achat de véhicule. Et qu'il la gagne ou qu'il la perde, c'est, en soi, c'est, ça reste bon enfant. Direction Telos, douane Nord. Et c'est couillu de leur part parce qu'ils perdent du pognon quelque part. Mais après, ils en gagnent en farmant comme des gros bâtards. Mais ça, faut pas le dire. Quelle surtout quand la police n'est pas connectée. Mais non, franchement, moi je critique pas. Parce que, bon, quelque part, vous allez me dire c'est gunfight. Ouais, c'est gunfight. Effectivement, une banque c'est gunfight. Ça sert à rien à RP. Mais c'est couillu de leur part parce qu'ils investissent du pognon et du temps là-dessus. Non merci. Ma femme qui me propose à manger. C'est pour ça que j'ai dit non merci. Pas bien. C'est aller prendre des kilos, mon commandant. Ouais, bah je vais grossir comme un gros porc, je vais plus rentrer dans ma cam là. Les gars, douane Nord, Viper. Je parle de la cam, hein, je parle pas de. Enfin bref. Qu'est-ce qui se passe là? Axe armé dans une voiture en délit de fuite. Enfin, en excès de vitesse. Yep. D'accord, et l'hélico là-haut c'est quoi? CPA. CPA dans un naming burn. Ah, ok, non, on a actuellement sur douane Nord plusieurs VL. Et un Ifrit, il faudrait plus d'unités que Viper. C'est bien pris de Cobra, on va lâcher le convoi LCO. C'est reçu de Sierra, on se dirige vers vous également. Passage canal 1 pour Sierra. Kanama, tu les informes que tu les lâches. Je vais juste faire un check thermique pour eux et je repique sur toi. Yop yop Stivers, comment ça va? Aussi, ils sont en live. Ils sont combien? Vous avez combien de packs environ? De Dragon 1, on a 7 véhicules et un Ifrit. Kiroche. On a piqué le cul, ça. Il y a 2 véhicules qui se sont take down entre eux, faudrait peut-être y aller maintenant là. Ah, fille, on fonce dessus, les gars. Monsieur.
Alpha Dragon 1, la voiture qui a takedown, c'est la RS7 qui était armée qui en détruit, donc c'était pas avec eux. Oula, 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 freeze. Ouf. Oh, le sale freeze. Y'a énormément de packs, je peux pas m'arrêter tout seul. On arrive, on arrive. On est là. Vas-y, arrêtez, on est tout seul. Tranquille. Dispersez-vous les unités là, dispersez-vous. Allez, écarte-toi, vous écarte-toi. Un VL et puis vous l'encerclez. Cobra, on se met en pose autour hein, si ça pète. Le Cobra, on s'en va sur la colline. Allez, action là. Écarte-toi, écarte-toi. Sierra, lead, vous êtes où? Monte sur la colline en haut là. Monte sur la colline en haut à droite. Derrière toi, derrière toi, derrière toi, derrière toi. Monte sur la colline là-haut. On sera et bien. On là-haut. Sait que l'Ifrit est plus lent que les autres voitures. Reste au niveau de l'Ifrit. Ils s'en vont tous, dispersion. Ils dispersent. Bon, on a vécu chacun et puis. Entamer une négociation orale, les gars. Ouais, je sais. Paiement en attente sur BR. Oh shit. Tiens, suivez bien les véhicules pour éviter de prendre DR, Seigneur. Ça fuit ou ça... Pour l'instant ça fuit. Sierra en RS6, rose et bleu. Ouais c'est ça. On va aller chercher des otages d'un côté et des Gallois. Et puis après nous envoyer un texto, on a des otages. Pour ceux qui connaissent le rugby, c'est le stade français. Maillot bleu et rose. Essayez de leur parler rapidement quoi. Je vais tirer à Lydia un VL sur nous. Arrêtez vos discutes. Suivez s'il vous plaît. Je vois sur moi. Vous confirmez la RS7 noire n'est pas avec eux? A priori non. Si le monsieur est habillé en vert à l'intérieur et sans gilet, oui. C'est pas avec lui. Ouais, c'est un monsieur en vert kaki sans gilet, ouais, donc je le laisse. Monsieur Ali de refuser. Snid, vous avez un véhicule à votre droite, c'est avec lui aussi. C'est reçu. Seul véhicule. J'attends de takedown, j'attends de takedown, les gars. Reçu. Information prioritaire sur le takedown au cas où, reçu. Reçu. Ça va péter vers Paros, vous pensez? Ah, je dis ça, sans Paros. Reçu, je vais décaler ma PMA sur Nifi alors. Allez, monte sur une colline là. Monte sur une colline direct. Ça se met en place dans les montagnes. Tu étais bien dans la gendarmerie d'Altice Life France avant la refonte en police, je crois me souvenir de toi. Effectivement, Mazdou. C'est bien moi. Springfellow, le Springfellow, j'étais chef des OPJ à l'époque. Messieurs, on veut discuter. Salut Dédé, comment ça va mon petit Anou? Comment il regardez, va mon petit Diego? Regardez messieurs, j'ai l'arme dans le dos, on veut discuter messieurs. Attention, je crois que ça tech, je crois qu'il y a eu un tech. Ah ouais, voilà tech, mais... Bonjour monsieur, est-ce qu'on peut discuter? Négociation en cours, vous stoppez, vous positionnez en poste fixe les gars, allez tout autour. On reste ici ou on va dans la cache? Tu te caches, ouais, derrière la maison. Ok. Derrière la maison, là. Ouais, derrière la maison. Là. Voilà, tu prends le bac, toi tu prends le bac et moi je prends le front. Sortez mon commandant, je prends votre bac mon commandant. Ah, apparemment quelqu'un sur la négo hier sur une prise d'otage, on aurait dit à ces messieurs qu'ils pouvaient traîner du côté est armé. Négatif. Rien du tout. C'est qui? C'est le gourou je sais pas quoi là. Si c'est ça, c'est passé cette nuit mais y a pas de ça. Ils nous l'ont mis à l'envers lors de la prise d'otage donc négatif. Apparemment hier ils avaient 3 otages, ils veulent pas me dire qui ils sont. Ouais, bah c'est les mecs d'hier, ils sont habillés un peu comme des personnes du bled. Vous avez vu mon commandant le VL sur vous? Pas gentil. Ouais, la grise. La grise. De Dragon 1, plusieurs véhicules, hein, moitié avec le choc pour se séparer en plusieurs unités d'eau. Salut Calvin, merci à toi d'avoir follow la chaîne, bienvenue dans la famille, bienvenue dans la famille. Tu peux aussi également nous rejoindre sur Discord et sur YouTube pour revoir le live de ce soir, le live de demain et les lives précédents en follow. Merci à toi, bienvenue de la famille, mon loulou. Salut garçon, t'es perdu? Où ça? Dragon, prenez l'L4. La barque? T'es perdu garçon avec ta guilly là? De toute façon, nous on est en poste fixe, si c'est... on doit allumer, on allume. Non, qu'est-ce que t'en penses? Bah non, je suis pas perdu, je me promène. Ça va? Tu fais quoi dans le coin? Alors reviens garçon. Pour info, j'ai un ML noir avec un TE à l'intérieur pour très probablement sur ma pose. Bon les gars, c'est simple, pour ceux qui circulent en véhicule, vous prenez une voiture police, reçu.
c'est bien pris. Pour info, j'ai un véhicule qui a foutu le camp à fond train devant moi, mais moi je le prends. Je le prends. Ouais, je cherche pas les mêmes PA de Doc. Transmet. Vous avez un major. Ah bah oui, Harry, je me souviens de toi, effectivement, ouais. Carrément. Mon commandant, derrière vous, voiture qui nous vise. Bah tu les vises. De Cobra Lead pour tous, fais attention, tout à l'heure il y a eu un takedown involontaire de ma part, mais il y a eu un takedown. Donc ils peuvent potentiellement ouvrir le feu. Sur la Mercedes blanche là. Donc s'il est avec eux, il est taquin. Bien, il est avec eux, c'est le capot ML, c'est du TE. Hein. Faites des coms plus courtes. Hein. Vous allez bien? Oh les mecs. Vous avez pas cassé? Doc pour donner. C'est sûr. On se met. Ok, bah dépêchez-vous, bien sûr. Négatif, il y a une bonne unité là, vite, rapide, et on est en face à face viseur. Négo pour tous, bon bah du coup, ils parlent tranquille, gros, ils peuvent être armés à l'est, tout ça. Je fais quoi? Est-ce que le but c'est de les désarmer à la fin ou pas? Infi. Ils ont un ifrit quand même, les gars. Ok, d'accord, parfait. Info sur la position du ML là. Delta, on est sur le ML. Ok, reçu, le lâchez pas. Allez, Strider, vous me lâchez pas la Bart. Ah, il y a des véhicules sur nous. Renfort, s'il vous plaît, sur Strider. Mais bon, c'est pacifique pour l'instant. Ok, reçu. Je lâche la Bart à Selectro. Je reviens vers vous. Ok, il y en a un qui me lâche pas la Abarth. Abarth direction Rodopoli. Merci. Tu vois. Ok, nous on va changer de pose. Allez, viens. On va se mettre derrière nous, dans les maisons. Parce que là ils ont mis un point, certainement. J'hésite à revenir jouer en flic, les recrutements sont on. Faut regarder sous le forum, Mazdo. À gauche. Attends. Ouais, là, voilà. Doc Polonski. Qui fait un don de points. Parfait. T'as un L4 avec toi? À gauche, à gauche. Mets-toi. Neg. Très bien. Okay. Très bien. Il va, faut pas qu'il va m'appeler moi. Pour info, Delta, vous avez la Mercedes blanche dans la ville en dessous de vous. C'est reçu, ouais. Quelqu'un peut la récupérer, hein, la Merco? J'attends qu'elle sorte de la ville, parce que... Elle est au niveau du garage. Ouais, avec le ML, il y a le ML près d'un hangar en dessous de vous aussi, à peu près, là. Affirmatif, on est dessus, il est caché dans les buissons. Bon, ils veulent pas déposer des armes. Pour eux, ils ont le droit non, d'être. Non, pas accès de vitesse, non. Apparemment, hier sur une négo, on leur aurait dit comme quoi ils ont le droit de traîner comme ça à l'est. Ok, j'arrive sur négo, c'est moi qui t'ai essayé que sur négo, si ça vous dérange pas. Ouais, non, venez, pas de soucis. Il est où le ML Delta, juste en dessous? Bah, pour toi, Jason, c'est mieux en fait. Étant donné que t'es connu comme Jason Jones, c'est un petit peu mieux, quoi. Moi, j'arrive sur négo, c'est toi ce que je veux dire. Quelqu'un fait un don de points. Jason, il veut des points, les gars. La chasse aux points. Du coup, Maxime, Alpha, on lâche la négo, on la laisse à... On la laisse à Cobra. Bien pris, bravo. Il y a Raptor Noir qui se dirige sur la PMA. Voici que l'ARF. Scott, t'as un ML derrière toi sur la route. Un fiancé. Si la PMA est spot, on vous dit. Reçu. Ça bouge pas mal là. Allez. Ce qu'on va ouais, faire. Ils sont en train de se diriger droit vers la PMA là. La PMA sur place ou pas? Faites bouger la PMA. Comme c'est du civil, donc il y a rien à reste. Ouais, la sécu est pas encore là. Si vous sentez que ça pue pour la PMA, changez la place. Hein. Ouais, mets-la plus loin.
Pour CPA, est-ce qu'on a des packs sur Paro, ce truc comme ça? Je vais te dire ça, mais je peux pas lâcher, attends. Oh, sur le dragon 2, le dragon 1 plutôt, on va s'occuper. Oh, je suis là. Est-ce que quelqu'un s'occupe de demander leur PMA ou pas? Ah, bien sûr. Du coup, de Cobra Lead là, du coup pour la négoce. Ouais, écoute. Donc les personnes, je leur ai expliqué pourquoi. Pourquoi du comment. Ah. Et apparemment, ils ne veulent toujours pas déposer leur arme. Position Cobra 2, le ML a cassé. Encerclez le ML, les gars. Bon, il faut les frites repart. Encerclez le ML, il est. J'ai un pack sur le dragon. Sur CPA Lead, je m'appointe. Ouais, mais apparemment, Siren, on recrute plus de civils, alors obligé de reprendre la France. Ouais, ouais, il va se faire extraire, il y a plusieurs véhicules qui rushent là. Cobra Lead, tu restes avec nous pour le. Pour la RS a cassé. Ah, il y en est là. Ouais, ouais. Ford Focus cassé. De Cobra Lead pour commandant. Transmet. Autorisation de déclencher takedown ou autre. Ils ont fui la négo ou pas? Affirmatif. Ah, bah oui, faites ce que vous avez à faire, les gars. Bien après, merci, monsieur. Ouais, tu vas en appui. Ouais, dans les buissons. Attention, il y a un véhicule à gauche, à gauche. On va peut-être pas être les taper, venez. Ma fille, c'est le MLG dessus, comme ouais, ouais, tu le suis, ouais. On va le défoncer par derrière. De l'arche aussi, j'en ai un en dessous de moi. Dragon. C'est la Labarthe, comment? Ouais, c'est la Labarthe. À pied, cours vers la colline. Faites comme radio imminente, hein. Ça monte, je suis monté. Y'a toujours quelqu'un sur l'ARS là ou quoi? Y'a un mec derrière le pick-up, hein. Douglas, l'ARS elle a cassé sur position Bravo. Mais empêcher de réparer, non? Qu'est-ce qu'on fait là? On pourrait avoir une info du lead là? Enclencher, chaque soma. Hein. Allez, bon, tatanez-le là, tatanez-le et on flingue l'autre. Comme non, je pensais qu'ils sont avec. C'est Tatan, c'est Tatan. Oui, ils sont avec, c'est Tatan, code noir. Prépare-toi, dès que ça s'arrête, tu t'arrêtes. Hein. C'est bon, comment? Non, la barque. Il est down ou pas? Allez, code noir, fais volonté là. Donc, est down. Ouais, bah laisse tomber, elle est finie la Barthe. Fais gaffe, ça s'arrête, arrête-toi. Alors, ce qui j'ai pris l'essence, je me pose. Affi, on est sur position en Barthe. On l'a pas les frites. Décolle, passage, décolle. Urgent, sur carte 320. Il est le mec, il est tout seul à pied. Il a joué, il est tout seul. Allez, c'est bon, on se casse. Allez, on bouge. Tu te casses? Allez, on bouge rapidos là. Tu bouges, tu t'extrais, voilà, tu fais le tour, tu regardes aux... Putain, on voit rien en plus. On va avoir besoin d'une extraction de Delta Force, on est à... T'as cassé? Répare. Où ça, s'il vous plaît? Comme ici, on roule la manille. Ah merde, c'est la sécurité, putain. Tu es la sécurité. Ah merde, j'ai mis coma. Merde. Merde! Merde, j'ai mis coma à sécurité! Attends. Merde, j'ai mis foutu la sécurité coma! A tout, j'ai besoin de renfort sur moi! Sécurité civile coma! Putain, j'ai mis coma le mec! Ouais, c'est ma faute. Fais gaffe, Odor, il s'est arrêté. Le Cobra Force, on se fait tirer dessus, on a besoin d'aide. Le dragon, il est abattu. Putain, il est où? Ne tentez pas de réparer la kill. Il est là. Prenez une Red Bull et essayez de fermer la voiture. Prenez une Red Bull et essayez de rush le M3. Canamo pour... Défibrillateur, il est là. Je vais te sauver, fiston. Rodopoli, mais la PMA est coma, là, actuellement. Honor pour tous, on a dû lâcher les frites au niveau du lac. Protégez-moi les gars, protégez-moi. Attends, c'est bon, je vais le défrib. Tu peux... Ah, mais non, ouais, vas-y. Info sur le M320. Le M320 a bougé ou pas? Négatif, M320 est traité. Gambino, essayez de nous récupérer. Dragon 1, allez sur essayer de retrouver les frites. Yo, on va monter, c'est pire, y'a Ryan. Ryan, on change de zone d'atterrissage. On change. Ça va, fiston? Le dragon il est sur notre gauche. Là j'entends très bien. Allo? Allo? Bouge pas.
Genre, t'es bloqué ou pas? De Bellic, de Bellic plein est, il y a un Pax caché derrière une. Mets un point Pax si jamais tu veux. Pourquoi il se réveille pas? C'est bon? T'es là? Désolé, c'est moi qui t'ai mis coma. Tiens, je te rends ton défibrillateur. Transmets. Je te laisse te soigner. Allez, on bouge. On qui? Un Pax. Un faux chou. Négatif, je. C'est Bellic devant moi, je vais mettre point 4. Allez, on vient de récupérer là, s'il vous plaît. On dit merci d'aider, hein. J'ai mis zone 4. J'ai besoin d'un fois. Position du véhicule. Derrière la maison à 400 mètres. Je vois pas. Vérifiez, c'est déplacé là, la voiture. La recrue, elle est où là? Je suis là, mon commandant. Putain, mais viens me chercher, merde. Oh putain, ça bug, ça lag. Ah ! Oh putain, ça lag, ça y est. Ça a lagué. Ça bug. Ah. Je crois qu'on est tous pareils. Bon, moi j'attends une place. Ah. Bah attends, là, je suis en train de laguer, moi. Oh putain, ça a bugué. Comment ça se fait que ça a bugué, là ? Putain, j'ai bugué. Bon, ça se fait. Eh ben, on redémarre le jeu. Si tu piques ma place, je te défonce. Ça a bugué, désolé les gars. Arma crash. Ça m'a jamais fait ça, perso. Ah, bah moi, ça me l'a fait. Bon, bah je redémarre. Super. C'est génial. Ah, c'est chiant quand ça fait ça. Trop d'actions en même temps. Il se passe quoi? Bah non, pourtant en processeur, je suis à 33%. Bah en fait, il y avait trop de trucs et le jeu a crash. Ah, il y avait une action, je sais pas qui. Ok, ok. Tant que des gens qui déco, hein, du coup. Bah, il y a une place normalement, non? Je sais pas, je relance. Ça, en fait, c'est quand tu restes trop longtemps dans le lobby, ça te kick. Ah, ouais. Exact. Oh, je vais relancer mon jeu tout le temps. Non, non plus, j'ai 32 gigas. C'est pas la RAM, c'est le jeu qui a crash. Ça arrive. Mais bon, je suis admin, je peux me TP. Attends, ma place. Il me dit pas qu'il y a plus de place parce que ça va chier. De toute façon, si, il y a une place, regarde. Une place juste avant les deux là. C'est la tienne? Non. Ah, vite. Allez, le jeu lance-toi plus vite. Putain. Allez, le jeu. J'ai appuyé trop de boutons en même temps, en fait. Alors, j'ai quand même réanimé un mec de la sécurité civile, quand même. Et vous êtes en train de faire des trucs. Alors, il est où le mien? Il est là. Ou pas? Mercedes qui vient sur vous, Gambino. Oula. Ah non, c'est le jeu qui crache, hein. C'est le jeu qui crache, en fait. Putain, c'est le jeu qui crache. Putain,
J'ai encore crash. C'est chelou. C'est chelou là. Ouais. Bon, bah super. C'est génial, j'aime quand ça crash. Putain, mais c'est quoi ce délire là? Pourquoi ça crash? Ça fait deux fois là. Là, on s'est cul. Bon, en attendant, voilà. En parlant de taupe, je sais pas si vous avez vu les nouvelles règles du serveur, mais les taupes sont interdites maintenant. Et le ripou également. Pour ceux qui savent pas. C'est génial. J'aime quand ça crache. Ça fait deux fois que je relance, normalement ça devrait être bon. Juan la balance quoi. C'est vrai que c'est une balance. Est-ce qu'on va y arriver? Ah là là, je dis. Hein. Roulette 10 à nous. T'as pas honte. Channel switched. Bonjour. Ça marche qu'une fois, faut qu'il attende le message, dis-lui. Eh non, eh, c'est à moi qui crache. Hein. Là, il y a un problème. Là, il y a un souci. Je sais pas ce que c'est le souci là. Ok, là je suis bon. Téléportate. Il est où lui? Il est là. Arrête-toi! Carte douce à la position GPS. Il est là. J'ai mis. C'est pas bon. Ils ont en otage mon commandant. C'est pas ça, ça va. Vous pouvez aller directement à ce radar. Commencez à prendre une visuelle. Non, non, faut pas que je reboot. Regarde, c'est bon. On prend déjà des viseurs. Qu'est-ce que c'est? BA, donc ils refusent toute coopération vis-à-vis du fait qu'on ait un de leurs otages de leur groupe. Ils préfèrent mourir que de se rendre. Comment ça, ils préfèrent mourir que de se rendre? Non, quand tu dis code, non, les gars. Si jamais ils veulent négocier qu'à partir du moment où ils ont un otage. On a un collègue à eux ou pas? Ah, fille, on a deux collègues à eux. Ah, bah voilà. Donc c'est n'importe quoi de mourir. Strider, tu veux qu'on y aille ou pas? Doc, t'as reçu ou pas en longue? Reiter, t'as comme là? Est-ce que tu as reçu en longue? Négatif, j'ai pas la longue. Il y a Cervantes qui a besoin de toi sur la plage au nord du désert de sel, je crois. Doc, on y va pour toi si tu veux, on est de midi. Merde, j'ai plus de téléphone, putain. Non, je peux aller en midi. Non, non, non. Alors, Corolite pour commandant à droite du lac de sel. Franchement. On a deux de leurs collègues. On peut la jouer dans le mode comme eux, quand on a des otages à eux qui sont obligés de se rendre. Effectivement. J'ai ta force. Adamo, ils veulent pas, ils préfèrent aller sur l'appel de Cervantes. Non mais, c'est-à-dire que leur menacer de mort, c'est-à-dire que leurs collègues, on les bute s'ils se rendent pas, tout simplement. Non, ah, négatif, on est policiers les gars, on est policiers les gars, on tue pas comme ça des gens. Ce sont des rebelles qui nous ont tiré
dessus, mais d'accord. Non, non, mais tu leur dis de se rendre. Il y a une négociation ouverte ou pas, là? Négatif. Affiche par message, par message. Monsieur, je vais te proposer de se rendre contre... de se rendre et de limiter la casse. Vu qu'on a un otage et il refuse du coup de se rendre, il m'a dit, je cite, qu'il préfère mourir pour le gourou que de se rendre. Ah, c'est intelligent, ça. Redfield pour le Delta Force. Ils ont qui en otage? Un civil. Commandant, la voiture veut plus avancer. Bah, c'est normal, t'es allé dans l'eau. Non, pour toi, c'est moi qui conduis. Après, c'est pas bien raisonné comme ça, mais bon. Bah, au pire, dis-leur que. Les gars, y'a un Ifrit devant nous là, de Bellic, je vous mets pour carte devant moi. Bah, attendez, que c'est peut-être une autre bande, hein. C'est la mode de sortir des Ifrit. Renseignez-vous d'abord. Bah, normalement, dans cette zone, c'est soit Ifrit, soit en VL, je sais pas ce que c'est, je vois pas bien de. Ah, c'est nous. On a un Ifrit au passage. De Kanamo, y'a eu des coups de feu avec des fusées direction Frenny là. Ouais, dans le ciel. Oh là là. Fusée de détresse. On n'a pas que c'est sur position doc. Ouais, c'est bon. Grande zone carte là. Il a bougé. Il part dans. Je vous mets une flèche de la direction. Couvre-moi, je répare moi. T'es encore derrière lui, Mike? On va aller au garage, on va changer de voiture. Monsieur là, mon commandant. C'est quoi? C'est des packs, un Ifrit? Hein? C'est un PAX avec, dans un véhicule. Risque rien. Aucune info si c'est avec eux ou non. Il s'est caché derrière la maison et là, il est parti. Tu prendras les armes dans la voiture et tu m'enlèves les chargeurs. La position, c'est tout le solaire. Merci, mon commandant. Tu m'enlèves les lunettes et l'équipement et tout ça. Parce qu'on a eu des pertes chez nous. Un négatif pour toi, toujours là. Nag de Echo. Bravo, c'est bon. Affirmatif de bravo, on a un individu sur notre position. Enfin, on a reçu. Un individu dans notre véhicule. Reçu, Charlie, ça va? Charlie, ça va. Sur ma position, TE dans la maison. Il s'est allongé. Ah, bravo, on a réparé, c'est bon pour les frites. J'arrive, Bellic. Allez, t'es où, Bellic? Il y a micro blanche sur carte. Faut le faire se rendre. Et il manque un deuxième VL. Il manque une Mercedes C63S. Le mot c'est la probablement. L'Ifrit tira là, allez sur position Bellic. Ma fille, la fiance, elle dirige. Pareil, faut pas diriger vous là, Charlie. Oh, putain, c'est quoi cette voiture là? Le pire, mon commandant, c'est quand. Fais gaffe, il est vraiment à l'étage quoi. Ouais, t'as sniper en main. Le très près. Sommez-le de se rendre verbalement. Depuis qu'il est encerclé. Info shoot? Pourquoi vous shootez? Ah, il est près du véhicule là. Yuri, ça va? Ok, il a battu Yuri. Butez-le. Les gars, celui qui vient de tirer là, c'était sans doute la Nego, j'ai reconnu un tir de la doute. Comment tu m'as enlevé les lunettes et tout des armes? On a dû abandonner le véhicule, il y a Yuri quoi. Ok, sur la maison, le mec est toujours dedans? Négatif, il est parti, on vous l'a dit hein. Il est parti dans le lac. On attend. Dans le quoi, réitéré? Dans le lac, je vais vous mettre une flèche. Au commandant, les. À pied ou en VL? Les lunettes VL, ML noir. C'est bien pris, merci. Strider médical, venez sur la position pour sauver Yuri. À Fion, là, déjà avec nous. Par contre, je sais pas s'ils étaient deux, mais je vois plus le TE, vu que là, il était à l'arme. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Tu peux vérifier la maison, Boris, sur pancarte, s'il te plaît? Boris de Doc. Position Gambino, on a deux hélicos au-dessus. Mike, on arrive pour check. Le pancarte, la croix. Et. Le cobaye en agacé. Parce que c'est bizarre, le mec il avait un snipe en main. Il y a un camion qui s'est rentré dedans. Je vois un mec. De... Le Delta, vous pouvez vous poser au fond et puis sortir de wagon. Mets un point, Steve, rapidement, s'il te plaît. Merci. Pour tous, on sort quand on. De Bellic, on a Strider de retourner. Merde. Il y a un civil qui nous est rentré dedans. Obamo, tout ça, a rushé le mec là. Le point de corte est mis.
Affi, il y a une zone devant vous là, le nord. Ok, de Bellic, dans ta maison, mec, on a M320 qui est posé sur le sol. Il est coma dans l'eau de. Ok, de Cobraline, on va essayer d'extraire la personne direction PMA. On en est où de la négo là-bas là? Il y a plus de négo, on a trouvé les packs qu'ont battu nos collègues et on en a battu un. Relevé, recommande. C'est sûr. Cobraline, de remonter dans le véhicule. Savanté, spoliginité au sol, est-ce que vous me recevez? Transmet Savanté. Est-ce que quelqu'un serait disponible pour qu'on lui donne un pax là? Ah, on va peut-être pouvoir le prendre dans le Strider à la nuit après. Envoie-le nous sur la PMA. C'est un pax coma ou pas? C'est reçu. De Cobralite pour s'en tester, c'est un pax coma ou pas? Non, pax vivant dans notre hélico. Donne-le nous en bas de toi, on a déjà un pax, on va le traiter rapidement là au fort. C'est reçu. Info sur les shoots. Oh, mais putain, mais c'est un truc de fou là. On tente de traiter le pax ML, on s'est pris des shoots. C'est quoi ce délire là? Pourquoi? C'est vraiment une merde cette bagnole aussi. Du coup là mon commandant c'est code noir? Bah oui hein. Ok c'est juste azimut 211 mon commandant. Ouais je sais, j'ai vu. D'accord mon commandant. Je suis en train de regarder. Et toi je répare la voiture, je la mets au garage, je la ressors, comme ça tu pourras conduire. Ouais c'est mon commandant. Il faut pas rouler dans l'eau fiston. Info sur le pack que vous tirez les gars. C'était la voiture du juste devant nous, de Sarah. Bah non, James Bond il est mort. Dans les fougères? Ah les gaz. Allez, je fais tir de suppression. Oh. Oh, du hack kick. Oh merde. Oh. Et il veut toujours pas se rendre là. Oh mais putain. C'est mon commandant, je pense que quelqu'un. On s'est pris des chutes de là, donc oui. D'accord. Je pense que le camion s'est arrêté, il nous a shoot. Il nous a shoot? Aucune idée, aucune, je pense. Hein. Ah non, mais t'as entendu quelque chose, moi j'ai rien entendu. Ah, je suis le seul à avoir entendu des tirs. Ça shoot, mais je sais pas. C'est nous, je crois qu'il y en a un qui est mort dans l'eau. C'est moi qui ai quelqu'un de blessé dans l'eau. Le véhicule appartient à John Lito. Oh, mais c'est pas vrai, elle tourne tout seul en plus, cette bagnole. Tu fais confiance, sois vigilant. Normatif, mon commandant, vous pouvez vérifier. De Cobra Lead, le pack c'est traité ou pas? Ah, moi j'en ai traité un, mais je sais pas. Moi j'ai traité depuis longtemps. Ça va sur vous, commandant. Attends, ça va. Allez, vas-y. C'est pas traité à mon avis. C'est soit ça allait dans la flotte, soit ça se cache encore. Non mais vous avez pris des shoots après que je l'ai buté lui, c'est pas possible. Le commandant dans le camion c'est un pack ça. On s'en fout, on a autre chose à foutre. Laisse-le vivre sa vie. Je rejoins les autres mon commandant. Ouais. Linique remonte avec moi dans les frites, on va checker les alentours. J'arrive poulet. De Cobraline, on retourne fort pour cette télépax, on est avec nous déjà. Ouais, c'est reçu. Viper, on se met en attendant de retrouver le pack si c'est pas peut le voir depuis les airs. Fais gaffe, y'a un caillou. T'as dit quoi, la vitesse? Je te l'avais dit. Occupe-toi de tes blessés, toi. De Cobra Force, on a des collègues communs ou pas? Caillou. Les hommes se font braquer devant la LC. Ça va pour vous? Ouais, ça va. C'est bien pris. Rentre pas dans l'eau, hein! Non, mais Cervantes pour tous, est-ce qu'on a un topo sur les nombres de packs restants? Est-ce que c'est clean, pas clean? On pense qu'il en reste un qu'on a perdu dans tout ce bordel. Non, tout le luck. Monsieur. Je suis un check thermique de Dragon 2, je vois rien pour le moment. Ouais bien la buisson fait gaffe hein. Parce que si on va passer à côté il va nous allumer hein. Vous faites un check des environs, si c'est clean vous prenez vos véhicules et on remballe, on rentre au fort. Faudra qu'aussi on libère une unité pour partir vers la LCO, apparemment ils sont braqués. Je pense qu'on va y aller de Viper du coup. Ouais du coup gaz, allez Viper direction LCO.
de Waterfall qui a un bot Viper, avec une arme devant moi qui court. Cobra, vous êtes encore là ou pas? Affi, Cobra, Affi. Fais du Pax, vous l'emmenez fort, on fait un retour fort pour tous les Cobras. Et où le Pax? Sur Bravo, donc sur Douglas. Et sur Douglas. Delta Force pour CPLI. Transmet. Autorisation de partir directement à la LCO. Affirmatif, allez-y, je vérifie le moins. C'est reçu. Bravo pour Viper Lead. Arrête d'avancer, Douglas. De Sierra Lead, véhicule noyé, venez nous chercher. Affi, y'en a. Oh, bon, deuxième. On est d'accord, Sierra. Qu'on va sur la LCO là. Ouais, mais j'attends les autres. Galant, se rejoint vers Telos. Reçu. Allez, va tout droit, Telos. Non, 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 en fait, je suis le seul ennemi dans le jeu, en fait. Pour information de Cervantes, d'après Vesca, ce sont des packs couleur sable qui les braquent juste devant la LCO. Ok, j'ai besoin de toutes les unités sur place et un L4 déjà sur place. Ils sont devant la LCO sur la route. Reçu, L4 avec tireur. Ah oui, effectivement, sans faire de... Recule, reste là, reste là, reste là. Ouais, reste là, reste là. Affi, regardez mon commandant, il y a un VL, deux VL. Ok, casse-toi, t'es tout seul, on se casse. À toutes les unités, besoin de renforts, multiples véhicules sur LCO avec L4 avec tireur, besoin urgent de renforts. Je suis unité seule et isolée. C'est bien pris de tirer. Enfin, casse-toi. Ok, direction de fuite, douane sud, au-dessus de 1L4. De Delta, on commence à les suivre. Reçu. On les suit, mon commandant ? Non, attends, t'es tout seul là, qu'est-ce que tu vas faire avec deux pupus là ? Ils sont qu'à 5-6 véhicules. Fais-moi une com longue là, dis-leur de se manier le cul là. Il y a plusieurs véhicules. 2L4. Reste là, bouge pas. Comment bouge pas. La longue, commandant ? Ah ouais, putain. Faut que tu regardes. Contrôle caps, tu penses. Masse de véhicules sur la principale. Aïe. Bon, c'est bien. Hop. Balise déclenchée pour bouger un petit peu le fort là. Reste là. Bouge pas, te gèle pas dans la gueule du loup, ça sert à rien. Mon commandant. C'est qui ceux-là? Une autre bande? Tu vois, regarde, team, on nous a pas vu. Team Pax, couleur sable. Tu bouges pas, t'es invisible. Toujours pareil quoi, vous prenez une bonne position pour pouvoir tirer de loin. Non, non, il... Vous pensez qu'on est toujours invisible, mon commandant? Non. Mais tu restes là. Reçu, mon commandant. Tu laisses faire ce qui se passe. Et après, nous, on viendra casser les culs. Ça nous claque ça, non? D'accord. Ah ouais. Unités au sol, vous restez attentifs sur les véhicules Pax pour pas qu'ils prennent en otage des civils.
C'est bien pris, de bravo. Ok, donc on est en présence de la Rampage. Ne restez pas isolés avec... les policiers. Évitez de vous faire prendre en otage. Quoi? Recule un peu. On doit réussir de regrouper vous là. Ah, stop. Ils veulent qu'on reparte à l'ouest, le monsieur. Zone 4, TE qui s'est allongé au sol, il a dû bouger là. C'est sûr, toi, Odol. Donc ils veulent qu'on reparte à l'ouest. Hein. Non, c'est sur le CPR. T'es quoi, on tente une négo ou. Bah oui. Y'a pas de négo. En fait, En fait, ils sont pas chez eux ici. Ouais. C'est ça qu'ils ont pas compris en fait. C'est ce que j'ai dit, je dis qu'ils sont pas chez eux, mais. Ils ont dit pour qu'il y ait pas de rabuge, on reste à l'est et vous partez à l'ouest. Je fais bah non. Lol. Ils ont un manoir, ils ont qu'à aller là-bas. Elle est où la négo exactement? Pour l'instant, y'en a pas un. Vous voulez qu'on place une négo à un endroit spécial ou pas? Bah, quand non, ils auront arrêté de fuir comme des fourmis, oui. Ils sont tous en train d'aller en Pergo, ça. Non, là, c'est la direction BP, les gars, comme d'hab. Belle blanc qui arrive sur vous. Bon, bien les gars, go prendre la BP avant eux. Ah, trop tard là. Trop tard. Ils sont dans la BP, c'est ça? Dans la BP, y'a personne. Ensuite, allez vous fermer l'entrée de la BP. Commandant, je crois que t'as. Je passe devant la BP pour information. Devant entreprise. Trop d'aide. Transmets. T'as des fibres de le roi? Non, négatif, je vais redonner par terre. Tu l'as mis par terre? Bah, je crois qu'elle l'a pas récupéré. Y'a un L4 qui s'est posé. Ok, Alpha est devant la BP, on bloque. La BP. Vous pouvez lui envoyer un message, j'ai pas de téléphone. Envoyez-lui un message, dis-lui que je vais poser à côté. Envoie-lui, j'ai pas de téléphone. On est deux. Ok, comment vous l'envoyez? On s'en va au CAC du coup. Ah non, vas-y, ouais, allez au CAC. Deux sites de grande champ véhicule en train. Oh putain. Alors, vous leur faites comprendre qu'on est déjà en action, les gars. La première action, enfin, la première gunfight n'est pas finie. Les morphines, les nets, t'en as fait quoi? Morphine, c'est moi qui en ai, je suis médecin de combat. Hein. Okay. Non, c'est que là, faut qu'on se redirige tous à peu près dans le fort. Hein. Qu'on soit pas tous dispersés. Qu'on relance pas un combat de l'autre côté avec les rampages. Bon, on termine la première intervention et vous leur faites comprendre qu'on a autre chose à faire. Du coup, mon commandant, votre direction? Bah là, pour l'instant, on nulle part. Le directeur, on va leur dire, on va se poser. Allez, tu suis la meute. C'est fait, si tu veux, j'ai envoyé un message. Suis la meute. Allez, avant, jeune recrue. Toi, t'es pas encore mort grâce à moi. Merci, mon commandant. T'as vu un peu? Oh, désolé, mon commandant, c'était votre cuisse. Non, tu t'es trompé. Ouais, mon commandant. Du coup, info? C'est bon. Ok, donc on lâche la rampée et on se dirige fort, c'est ça? Okay. Go Viper, direction le fort. Salut les fanatiques, bah, on a eu une petite action avec la circus là, je sais pas quoi là. Je sais pas quoi là. Monsieur. Et là, ils veulent entamer une nouvelle négociation après avoir pris un civil en otage. Voilà, en gros c'est ça. Coucou le chat, coucou Dédé. Non, on a la chance que... Coucou. Je sais pas de quoi tu veux parler. Pour information, un seul négociateur téléphonique, tu donnes un point de rendez-vous quelque part ou tu demandes un lieu de négociation. N'oubliez pas que vous êtes toujours en code noir sur l'action. Reçu, au passage, il y a. Je sais pas, allez, à vue de nez, je dirais 12 véhicules d'Andorida. Ouais, bah c'est la Rampage.
Affirmatif, c'est la... Oui, affirmatif, c'est la Rampage qui nous a dit qu'il repartait vers Dorida pour nous laisser faire notre prise de... D'accord, ok. Allez, il y en a un seul qui répond et toujours le même. Mais j'en ai... Vas-y, on descend. Quand c'est gros, un peu les jambes. Non. Non, parce que en fait, j'ai pas compris pourquoi vous avez dit que j'ai assassiné quelqu'un, alors j'ai tiré sur personne. J'ai pas dit, j'ai pas tiré. J'ai pas... Hein. Faut refaites comme vous voulez, mais... Vous voulez un point de négociation où, du coup? Au fort? Dans un lieu... Dans un lieu, voilà. Mon commandant, bah, je le mets sur la principale devant le fort, ça va de quoi? Sinon, il y a pas Nadia qui est bien. Je parlerai en présence que de mon avocat. Bon, c'est simple, c'est soit tu parles... Il peut nous servir. Moi, du coup, je vais pour... Je vais mettre sur la principale devant le fort. Tu bouges, t'as une balle dans le cul, je te fais un deuxième trou de balle, t'as compris? Voilà, faut que je paye. Monsieur, en fait, c'est pas notre problème. On vous ferait un crédit sur 20 ans, 30 ans, 50 ans, y'a pas de problème. Mais c'est pas notre problème. Bouge pas. Bellic. Junior. Ouais. Y'a ton frère qui va échanger tout à fait avec toi. Tu bon, c'est simple. Tu vois ce que t'as derrière ton crâne là? D'accord. Ouais, je vous ai dit. Hein, bon, maintenant tu vas parler. T'es qui? Vous êtes qui là? Dépêche-toi. Et du coup, de Alpha, on va se mettre sur la route principale, là, on attend juste pour... Dépêche-toi. Vous pouvez bouger le Strider qui est en plein milieu, là. Non, prénom. Non. T'es pas en position de demander quoi que ce soit, là, si tu vois ce que je veux dire. T'es pas en position, là. Donc si tu veux pas que ta cervelle éclabousse ma portière, tu me dis quitter, maintenant. La police, maintenant, fait des menaces de mort. Oui, exactement. Ah non, bah du coup, non. Parce que j'ai pas... Et Lucas, je m'appelle. J'ai pas... Lucas, comment? Ara. Quoi? Sahara. Bon, t'es de quel groupe? Un groupe. T'as tout fou de moi là? T'as pris ton... tes potes, ils ont pris quelqu'un en otage et t'es en train de me dire que t'as pas de groupe? Ah oui. T'as pas compris toi en fait? T'as pas compris là? Mène-toi. C'est normal, non, vous inquiétez pas. Mène-toi. Quel groupe? Surtout, ne relâchez pas vos collègues. Répète, je veux l'entendre de ta bouche. Garou. La Garou? Vous êtes pris pour des chanteurs ou quoi? Pas trop drôle. Non, mais moi j'ai bien aimé. Bon. Qu'est-ce que vous revendiquez en fait? Je vous ai dit que j'avais pas plus assez de rien aux zones. Bon, t'as un numéro de téléphone de quelqu'un que je peux contacter ou quoi? Pour parler avec lui? Oui ou non? Non, j'ai pas de numéro de téléphone. Alors comment vous faites pour vous donner rendez-vous? Attendez, je rendez-vous. Hein? Vous discutez bien pour vous mettre d'accord sur des points et tout ça. Les gars, pourquoi on ne va pas attaquer la mine d'or ou Viper et Sierra, hein, le temps qu'ils commencent en YouTube? Jouons vers l'after de platine. Mais let's go, non? T'es en train de te foutre de moi là. T'as pas compris, t'as une arme pointée sur ton crâne là. Vas-y, go, tous les Vipers, c'est parti. Ah, c'est pas grave. Bon, je vais prendre ta radio. Allez, je vais vous ramener là-bas. Lucas, Azahara. C'est bon. Bon, commandant, vous venez? Affi. Sierra et Frit, on vient avec vous. Reçu. Affirmatif, c'est précis. Bah, c'est parfait, les gars. Bah, du coup, Sierra, vous vous occupez du premier, puis Viper, on s'occupe des deux qui assurent la mine d'or. Reçu. Affi. Localisation du Pax. Fourni sur carte. Ils sont près de la mine d'or, tous près de la mine d'or. Nous, on va prendre celui qui est le plus excentré. Merci. À la mine d'or. C'est reçu. Ouais, je vois rien que les véhicules en vous. Attends un peu. Sors la tête par la fenêtre. Ah merde. Quelle direction vous voulez suivre? Commandant, si je peux me permettre, je les véhicules. C'est de la cacaille. Hein. Ouais, on va changer après. Ils sont en train de prendre de nouvelles otages à la mine d'or là. Ils m'en venaient. Reçu, Alpha, faut qu'on s'arrête un petit peu parce qu'on est beaucoup trop loin des autres. C'est bon. Ah. Viper, vous encerclez la mine d'or. Je vais prendre la partie sud du coup, vu que j'en avance. Bien pris, bravo. Ok, toutes les unités dans la baie, dans la de fort là, vous maniez le cul pour ceux qui ont pas de bonhomme là. Vous sortez, vous nous venez nous donner un coup de main. Ouais. T'as reçu? Les trois packs sont à côté de leur voiture à base de grise. Hein? Et Frit, attention.
attention, on va doubler. Attends, je dois par la gauche. J'ai un net cap qui traîne à toi parce qu'il est avec moi. Ah, j'ai pas voulu, désolé. Ils ont tricassé à l'otage, ils ont qu'une place pour le prendre. Les trois packs sont avec l'otage dans la appart grise. Un seul otage. Je mange des M&M's pour ceux qui m'ont posé la question. Comme tous les soirs, je mange des M&M's. Direction principale, vous allez les croiser en face de vous, Octavia. Top inter, les gars, on l'arrête. Tu risques un RC là si vous pouvez. RC, ouais, RC. RC, les gars. Ça va péter là ou pas? La barre est juste devant nous, Odor. Ah, c'est celle que j'ai défoncée tout à l'heure. Elle arrive au niveau de la principale. Derrière vous, Ifrit. Ça va dans quelle direction? Là, elle va monter direction pire gauche, j'ai l'impression. Ouais, c'est derrière nous là. Ah, on a la barre en visuel. Ok, elle est direction pire gauche sur la principale. Si vous avez mis une inerte au niveau de Schalke, elle va la prendre. Négatif, on se met en travers nous. Mets-toi en travers, mets-toi en travers! Oh! Les frites ont pas. Ça a cassé non? Ah, il me fonce dessus le monsieur, du coup j'ai été obligé d'écraser. Arrêtez de tirer là, arrêtez de tirer, c'est bien. C'est dans cette voiture qu'il y avait les otages? Ah, je suis là-dessus, ils sont. Ils sont vivants, ils sont morts. Alors toi mon gars, tu m'écoutes, si tu descends et que tu prends ton arme, je te bute. Tu descends et tu mets tes mains sur la tête immédiatement en posant ton arme dans le véhicule. Dépêche-toi. Les gars, placez-vous, vous mettez pas comme des sauvages comme ça les gars, placez-vous. Tatanello, il est tout seul. Les MLM, c'est juste... Vous les te blesser dans le véhicule rapidement. Reçu, on commence par le... par l'otage. Non, non, pas l'otage, m'en fous. Redfield, c'est bon, hein. Mets-moi l'otage dans l'L4 au pire, je vais l'extraire rapidement. On revient le frère, c'est bon. Chargez l'otage dans un hélico les gars. J'arrive pas à l'embarquer dans l'L4. Bon, le Pax peu importe, mais sauver l'otage quoi. Il est où le deuxième blessé là? Il est avec pour un foot. Cervantes pour Strider Medicap. Transmet. On a le roi qui arrive sur notre position pour soigner les Pax. Et les otages. Okay, on a le Pax vivant, c'est les supports pour traiter. L'otage qui est passé nous. Mets-toi à couvert, Dora là. Hey, Jural exploratrice là, mets-toi à couvert. Arrête de faire le Jural exploratrice là et mets-toi à couvert. Jural exploratrice. Tu es la carte, 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 tu es la carte. À tous, c'est bon, vous avez récupéré l'otage. L'otage, bon, information, l'otage a quelques petits problèmes, mais on va essayer de l'aider. Reçu. On dit merci qui? J'ai merci les mains sur la tête avec moi. Quoi? Eh bah tu libères. Quoi? C'est viens ici toi. Viens ici toi, viens ici toi. Allo allo, l'unité qui a parlé là. Qu'est-ce que tu veux? Je viens de me faire kidnapper par des hommes du bourreau à la mine d'or, donc j'ai vu de la fumée et des policiers et je suis venu. Qui? T'as un putain de rebelle toi? Non. Si t'es un rebelle. C'est un homme qui dit qu'il s'est fait kidnapper par le groupe. T'es pas tout seul dans la forêt, je le sais. C'est qui parle là à chaque fois? C'est peut-être je me suis fait kidnapper par le groupe. Comment tu sais que c'est les gourous? Notifiez-vous quand vous parlez les gars. Ils étaient à la mine d'or. Ils étaient combien? Je dirais 4 ou 5. Vous êtes en train de soigner les personnes comme mal ou pas? Je vais bien reçu. Bon, pour information, les gars, information, il reste 3 Pax normalement. Il y a un nouvel otage qui est là apparemment. J'entends Pax? J'entends la sécu qui arrive. Il y a la sécu qui arrive sur vous. Vous me l'envoyez d'abord dans la appart. Ouais, elle arrive là. Je m'en occupe.
Vous m'entendez ou pas? Bon, j'ai un otage qui vient de se présenter à moi, qui vient de sortir dans les buissons là. Ça pue ça. Négatif, ils avaient qu'un seul otage, Dédé. Bon, bah c'est un mec qui s'est déguisé alors. Donc j'ai quelques. J'ai des Pax quelque part dans les buissons là. Il est où celui qui vient de parler? Mais faites gaffe, hein, les packs, s'il y a encore des packs dans les buissons, ils peuvent vous tirer dessus. Hein. Ah oui, je confirme, merci, c'est restez... sympa. Non, mais restez pas paqués quoi, parce que là, 40 au même endroit. Est-ce que quelqu'un peut me confirmer, prendre attache avec la LCO pour savoir si c'est un client qui a loué un camion, Nikolaï Pekovic. Demandez-leur, il plus de camion, je me suis fait. Mais tu viens d'où toi là? C'est-à-dire, je viens d'où? Non, bon, vous êtes en train de faire les check thermiques. À pied? Négatif, j'étais en train de soigner le pack, l'otage. De quoi? Faudrait qu'on ait un dragon en l'air pour faire les check thermiques s'il y a des packs. Ah, fichu, on laissez les unités au sol s'occuper de soigner les packs. La sécu arrive bientôt. Et t'es venu à pied toi? Venu à pied. Putain, mais tu es courageux toi. Donc c'est Nikolaï Petrovic, c'est ça? Et c'est quoi ton nom exactement? Nikolaï Petrovic. Demandez à. Pekovic, ouais, Pekovic. P-E-C-O-V-I-C. P-E-C-O-V-I-C-E-S. V-I-C, V-I-C, pareil, ça me semble. T'es sûr que c'est pareil? Ah, c'est sûr. Parce que moi j'ai croisé une nana un jour dans un bar, j'ai bu un verre avec elle, elle m'a dit qu'il s'appelait Pekovic avec C-H-E-S à la fin. C'est pas toi? Non, moi c'est pas comme ça. Bah si, parce que. Attends. Ah bah si, c'est toi de dos. Bon, je te reconnais. Ça va ou quoi, ma gros poulette? C'est pas moi? Bah si, c'est toi. C'est pas moi. Bah si, c'est moi, César, Jules. Ah, ça fait longtemps. Ah, ça me fait plaisir. Tu nous manques dans les soirées. Vas-y, fous-le dans Alpha, on va le traiter au forest. C'est vrai, c'est vraiment pas moi. C'est vrai que c'est pas toi? Ouais. Mais bravo, tu veux qu'on s'en occupe? Ah, excuse-moi. Si tu veux, vas-y. Sur, je suis venu à pied. Ah bah si, de dos, moi je te reconnais. Bah si, c'est toi. Oh la vache, putain, tu m'as manqué. Hein. Tu sais que je t'ai kiffé, toi? Ah, je pense pas. Hein. Si, je si. Oh la vache. Tu lui mets la totale de glace. On m'a jamais fait ça sans entier. Non. On va prendre la. Je suis un infiltré, je suis un gros rebelle. Oui, ils ont bien eu un mec comme ça, mais il est toujours pas revenu. Ouais, c'est normal, il est avec moi. Maman en voiture. Ok, c'est bien, fiston. Tu es libre. Ah, fille. Donc. Il est où le garage le plus proche? Le garage le plus proche, dans la voiture, je vais t'emmener, fiston. Comme ça, ça me rappellera des souvenirs. Allez, viens. Merci. Et si tu touches à mon équipement dans la voiture, je t'égorge, je t'étripe, je te pisse dessus, je te balance au poisson. T'as compris? La radio et le GPS de le. Emmène-le dans un garage. Un garage? Ouais. Non, garage. Aucune idée. Ah non, je retourne plus à la Midor. C'est au forest et au Fresh and Forest. Derrière toi en fait. Oui, derrière toi. Ok, commandant. C'est bon, on a l'otage. L'otage est sauvé. Parfait, super. Et on dit merci qui? Merci bébé. Merci. Merci. Je vois qu'il y en a qui sont férus de. Mon commandant, franchement. J'aime la. Ouais, c'est des bateaux comme ça. Ah bah y'a rien. Bah ouais mon petit Pekovic, putain au soir yellow tu viens plus con. On fait bizarre. On t'aimait bien avec tes petits Porsche Jartel et ton petit bonnet sur la tête. Ta petite queue de lapin. Hein? Malheureusement c'était pas moi. Bah si c'était toi, t'as la même voix. Transmet. Avez-vous encore besoin de service? Négatif Sierra. Je vous remercie commandant, nous disposons de Sierra Canal 6. Évitez de tomber dans l'eau. De quoi? C'est une unité de police. C'est une c'est les serveuses de la boîte à cul. Ah, vous connaissez la boîte à cul? Vous disiez que ça faisait un nom un peu féminin. Sierra, Sarah, Sierra. Ouais. Sarah, ça raccroche. Ah, mais Sierra, c'est la serveuse sur la boîte à cul. Elle est pas mal. Hein. Et toi, t'es trop jeune pour y aller. Ah, merci, mon commandant. Le garage est juste là, mon commandant. Ah, bah tu le déposes au garage. Qu'est-ce que t'attends? En tout cas, merci, vous m'avez. Sauvé. Lourdement sauvé quand même. A chaque fois, quand tu penseras cette journée, tu penseras à moi, fiston. Tu diras, ah, le DD, il est bon. Je m'en rappellerai. Allez, fiston. Bonne nuit. Allez, à bientôt à la soirée.
va où mon commandant maintenant? Hein? On va où? Bah tu rejoins les autres? Tu veux rester tout seul? Moi c'est mon commandant. Je suis pas trop fort. Mon commandant, on est tous les deux, on est isolés. Et alors, t'entends pas une proposition? Non mon commandant. Tiens. Tu sais, des petits jeunes purs comme toi, j'en ai eu plein. Voilà, j'ai bouffé de la manette, c'est parti. Oh là là. C'est une belle histoire, c'est une histoire d'amour. Tu vas où là? Mais je ne suis même pas moi-même. Putain, mais t'es perdu ou quoi là? Je sais même pas où on est, mon commandant. Putain, qui, pourquoi je t'ai pris toi en fait? Direction au fort. Ah, mais c'est derrière nous ça. Bah oui. Mon commandant, parce que je suis le plus beau. Ouais. Bien sûr, après vous, mon commandant. Je ne me permettrai pas d'être aussi beau. Quelqu'un d'autre pour te comprendre tout ça? Qui c'est qui a mis les deux rebelles coma qui a sauvé l'otage? Hein? C'est qui? C'est vous, mon commandant. Exactement. Oui, monsieur. Jamais je n'aurais eu l'idée, mon commandant, moi. Moi, oui. C'est normalement, vous êtes commandant. Et en plus, j'ai même fait cracher. Bah, j'ai même fait cracher des... à l'autre. Ah, c'est nouveau, la police elle menace? Bah, oui. C'est nouveau. Ça vient de sortir. Encore un petit nouveau qui a ramassé des pommes et qui a acheté une arme, qui se prend pour Dieu. Scott, il est pas là et je vais me noter, je vais mettre en voiture. C'est ça, oh, je suis. Oh, je suis un mauvais rebelle, je suis une abeille. Oh. Ah, mais là, dans combien de temps? Mel Pops. Mel. T'es bizarre, toi. Tu manges des Mel Pops? C'est qui, lui? C'est quoi, lui? Vas-y, fais, lui. C'est quoi, mon commandant? Je sais pas. Eh, vous l'avez relâché, l'autre Gunius, devant le fort, là? Il faut croire. J'ai failli l'écraser. Ça allô? Un truc comme hier. Non, va dire que oui. Qui c'est qui est devant le fort? Non, mais le Pax devant, là, vous l'avez relâché? Il y a possible, on en a relâché un. Ah oui, bah c'est lui alors, bravo. Allez, on se casse. Attendez, si c'est. Tu regardes qui c'est? Parce qu'il y a le Jack là, on va peut-être le prendre avec nous. Ok. Vous avez appelé l'OGA au moins? D'accord. Bon, il faut que je refasse le plein de mune. J'ai plus de mune. On garé, c'est mon commandant, on est bien garé. Mon commandant, n'oubliez pas de me donner les 3 véhicules. Très bien. Les 3 véhicules, s'il vous plaît. Salut. Salut. T'as vu comment j'ai sauvé l'otage? Ouais. C'est beau, hein? Ah, t'as vu ce que j'ai sauvé l'otage, ouais. T'as pas de. Mon commandant, n'oubliez pas d'acheter des fonds. Voilà. Ouais, ouais. Ah, on dirait ma mère, con. Hier, c'était la radio, aujourd'hui, c'est le téléphone. Vous avez un casque juste derrière vous, je sais pas si c'est Marshall. Je vais te démonter, tu vas me donner ta carte. Ok. C'est Marshall. Ah, qui reste. Vous l'avez aussi, collègue? Non, c'est bon, ça ira. Un garrot, deux morphines. T'as déjà fait, go? De quoi? C'est bon. T'as déjà mis l'amende? Ouais, puis. Ouais, il m'a mis 2 millions ici. Du coup, combien l'amende? Attends, c'est tout. Non, la cavalerie arrive. Eh, tu bouges pas sur le cul. Il y a mon lit quand elle arrive, tu le mets dedans? Je te laisserai mettre dedans. Pas de bouffée. Du coup, pour la personne qu'on a réanimée, qu'est-ce qu'on en fait? On le traite normalement ou pas pour l'instant? Ah, fille, il y a le GA qui est sur place, les gars au fort. C'est reçu, on traite normalement. C'est bon, je le tiens. L'hélicoptère est là. Là, c'est. Ah, pardon. C'est toujours le même. Et Béné, ça va? Ça va, toi? C'est qui me parle là? Je me la pète pas. Est-ce Nid? Tout à l'heure, quand on était à côté du lac, le marais, okay. C'était qui conduisait dans votre voiture? Non, j'attends toujours la tête. Allez, faut que j'aille à la BR. Ouais, allez, on bouge! Ouais, mais j'ai plus de binôme, attends. Ah, bah il arrive, mon binôme. Bah, allez, on bouge, les gars! Il est en train de se lever, mon binôme. Allez à tous les Vipers, tous les Cobras, tout ce que vous voulez, on bouge.
de Viper, on est en train de traiter un Pax au niveau du forest. Pareil de Bravo. De Cobra, on peut partir. Ok Viper, vous restez au phare, vous attendez les Pax traités. Et ensuite Cobra, bah, on se rejoint, vous faites votre patrouille. Et vous déclenchez Bali si besoin. Affi, c'est bien pris. De Cobra 8 pour l'instant, de Cobra en Pascal 3. Odor, tu as la logia là-bas, je vais prévenir quand même. Ouais, Affi, on est déjà avec eux là, vous inquiétez pas. Aussi. Comme là. 6h32, 29 secondes. Nous sommes le 12-05-2019, vous êtes actuellement placé en garde à vue pour une durée de 24 heures reconductibles pour l'effet suivant. Transmet. Port d'armes prohibé, équipement illégal, et prise d'otage. Meurtre, les gars. Oulala, il a été touché le collectif coopératif. Meurtre. Ok. Meurtre. Meurtre. Et je suis pas chef. Meurtre. Meurtre. Il était complicité de meurtre. Bon alors toi mon gars tu vas khalas. Hein. Ah, je vais te relire tes droits du coup. Alors monsieur Chapeau L, il est actuellement 22h06. Oula non ça c'est un petit problème. Il est actuellement 6h36 et 14 secondes. Vous êtes passé en garde à vue pour une durée de 24 heures conductibles pour l'effet suivant. Port d'un prix B, équipement illégal, plus d'étage. Bonjour, j'ai oublié de vous fermer. Pardon, j'entends rien. J'ai oublié de vous fermer. Fermez la porte. Salut les gars, alors on va en tôle ? On va en tôle, on va en tôle, on va en tôle, on va en tôle. On va voir ta maman, on va voir ta maman. Allez, casse-toi. Quoi ? Qu'est-ce que t'as dit là ? T'es été trop loin, tu vas mourir, tu vas mourir. Qu'est-ce que t'as dit là ? Répète ce que tu viens de dire là. Ouais, répète ce que tu viens de dire. Et après ? Tu sais quoi, je vais la jouer plus soft fiston. Vu que t'es allongé comme une saucisse bien écrasée et bien molle, je vais te laisser en compagnie de mes potes, les marshals, qui vont s'occuper de toi personnellement. Tu vois ce que je veux dire? Allez, sois heureux, bonne douche. Vous occupez de lui personnellement? Sinon c'est moi qui viens lui faire prendre une douche. Venez mon commandant. On attend les autres, attends. Ah d'accord, vous avez manqué de respect. Ouais. Moi je dis mon commandant, vous allez avec et vous le poussez d'hélico. Vas-y, en occuper, j'accepte pas ça. Je vais en occuper. Je vais en occuper, j'accepte pas ça. Je vais en occuper. Ok, de Alpha, j'ai fini de traiter mon pack, j'en ai deux avec vous, bravo. Il y en a deux. Ils sont payés leur amende à fond ou ils sont comment? Là, je viens de revenir. Monsieur, commandant. Ouais. Pouvez-vous me sortir une dizaine de chargeurs de SIG, s'il vous plaît? De quoi? Des chargeurs de SIG. Qui est juste en bas. Il aimerait porter plainte contre la personne. Du SIG? Oui, vous voulez, vous bonjour. Là où, simple question, vous avez mis à fond pour les amendes pour les messieurs là ou pas dans l'hélicoptère? Vous les avez mis à fond pour les amendes pour les deux dans l'hélicoptère? Je vous donne l'argent ou c'est le coup là? T'es qui toi? C'est l'otage. C'est l'otage. Ah ok. On lui pose la question. Mais écoute, mon petit peu d'accord, de là. T'es quoi comme truc que t'as toi? SIG. SIG 556, 762, 20 balles. Est-ce que les amendes ça a été bien mis sur les deux? Pas que j'ai. Alors du coup, non, tu veux pas attendre que quelqu'un s'en charge. C'est les blancs, non, c'est. Elle est où la plainte? Elle est là. Là, c'est monsieur là. C'était comment? Monsieur, soyez indulgent, c'est la première fois que j'ai une plainte. Hein. Est-ce qu'il y a un
Mettez-vous à l'écart, comme ça vous n'aurez pas de bruit, puis comme ça vous faites votre plainte. Okay. Merci beaucoup, mon commandant préféré. Poussez. Ah ouais. D'accord, donc attends, j'attends le dernier. J'ai clamsé. Ah ouais, j'ai clamsé. Eh non, c'est bon, t'es sauvé, mon petit pote. C'est normal, ça va partir au bout d'un moment. Bon. J'arrive pas à cliquer. Attends. Nag, le capot, il est là. Ah les gars, quand vous récupérez un mec qui s'est soigné, enlevez-lui ses. enlevez les garrots parce qu'il a failli crever. Cervantes pour les unités fortes, qui c'est qui avait le Pax qui a pris en otage Monsieur Marie là, celui avec la chemise à fleurs. Voilà, on bouge ou quoi les gars là? Allez, c'est parti là. Pas où mon commandant? Mon commandant, je suis en train de rédiger la plainte. Ok, merci. Par contre, c'est la première fois que je t'ai rédigé, donc si quelqu'un pouvait m'aider éventuellement. Ok, tu prends ton crayon et tu écris. Je m'appelle... Vous êtes qui, monsieur? 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 Vous êtes qui, monsieur? Magistrat. Pardon? Ah, elle est encore ouverte. Ah! Qu'est-ce qu'il fait? Il veut pas bouger? Je suis blessé, monsieur. C'est mieux comme ça. Qui rédige la plainte? Elle est où la victime avec le policier? Elle a plané une tête. Quelle victime? Une victime? Elle est avec moi dans le bâtiment. T'as plus rien, c'est bon. Là, j'arrive. Je vous ai vu au dernier moment, moi aussi. Donc, il me faudrait votre numéro de téléphone. 06. Bonjour. Ça va, Harry? Ça va? Tu remets d'Hawaï? C'est rigolo, ça, non? 06. 06, 311. Chacun une chanson hawaïenne. 3, 11. Ah oui, le M4, c'est 28. C'est pareil pour l'autre. 3, 19. Chante-nous une chanson hawaïenne. 3, 19. Chante-nous une chanson hawaïenne. Ah, peut-être, moi je connais pas les chansons hawaïennes. Vous pouvez pas dire votre numéro comme tout le monde. Ouais, merde. Bah alors, ouais, c'est la victime, tu l'as très bien, c'est ça. 18. Ouais. 3, 11. Mmh. Ouais. 28. Ouais. Ouais. 99. 99, 99. Ville. Ville. La ville, comment ça? Néo-Chori. Ok. Adresse. 18 rue des Merles. C'est quoi? Non, c'est bon. T'en as 10? Bah, rajoute-en. Mail. Jouetmarie.altis.com. Je suis trop fort, hein. T'as vu, je connais tout sur toi en fait. Je connais par cœur, apparemment. Ah. Opérer des testicules l'année dernière, on en a plus qu'une. Non, c'est pas ça. Mon commandant, numéro c'est quoi en premier avant nom? Non, t'en fous, ça, tu mets un. Hein. Ok, et commentaire? Tu mets rien. Tu mets enquête de flagrance. Enquête de quoi? De flagrance. FLANGRANCE. Il nous faut un médecin de combat, s'il vous plaît, en haut là pour mettre une morphine à une personne. Ah merde. J'arrive. Voilà. Ce jour. C'est bon, tu tapes? On corrigera après. Flagrance. Ce jour. Je vais me balader tranquille. Ouais, on s'en fout. Bah, tu mets un. Mets un. Ce jour. Tapez script. Vas-y. Oui. Ce jour. Je vais me balader avec ma chemise hawaïenne, munie de bananes et de tomates, au niveau de l'abîme d'or. Je revenais de la boîte à cul de Néo-Chori. Je dis quelque chose, monsieur le policier, là. Ah, je sais pas. Mais je vous entends. Je vais faire ça. Voilà. Tapez plus vite. Hein. Oui. C'est bon, t'en es où? Donc. À la sortie. Alors, ce jour, je me baladais proche de la mine d'or avec ma chemise hawaïenne d'un motif de banane et de... Alpha, Charlie, écho, Doc, on bouge. Proche de là. Mine d'or. Okay.
One eternity later. Charlie, faut qu'on bouge. D'abord. Echo, faut qu'on bouge. Doc, faut qu'on bouge. Du coup, je me promenais à la mine d'or et j'ai vu des rebelles arriver en Fiat 500 noir. C'est ça, hein? C'est bon. Ils nous ont pris en otage, nous menaçons avec leurs armes. Ils ont abattu un civil. Mon tatane, ils m'ont menotté. C'est fait. Voilà. Nous, ils m'ont embarqué dans leur véhicule et nous avons pris la fuite en direction de Pyrgos. Et là, le plus important, grâce à l'intervention, ils ont pris la fuite et nous sommes partis à fond à Pyrgos. C'est bon. Et c'est là le plus important. À ce moment-là. Putain, il peut pas se taire radio. À ce moment-là. À ce moment-là. Oui. À ce moment-là. Oui. Le magnifique commandant Dédé. Pas si boxe ça, mais c'est pas grave. Magnifique commandant Dédé. A percuté le véhicule. Et a ainsi neutralisé les deux preneurs d'otages. Et il m'a permis d'être libre à ce jour. De ce fait, je lui verse 25 millions d'euros. Allez, vas-y, à bout de le fric. J'ai dit ça, moi. Non, voilà. Exactement. Ce qui m'a permis d'être sauvé aujourd'hui. Point. Et voilà, dépôt de plainte est fait. Ah oui. Allez, vite, Hugo. Allez, on bouge. Allez, c'est parti, on rejoint les autres. La porte. Comment ça, la porte? Ouverte. Merde. On crie, là. Il se passe quoi là? Non, casse pas. Putain de véhicule. Info? Je répare mon commandant. Ah, c'est bon, je suis plus rapide que toi. Hey, wake up. Je vous cover là, mon commandant. Moi je suis au sol, juste comme dans le VS NIP. Moi je prends des infractions. Ah. Ok, c'est sur l'acheteur de cigare, mon commandant. Ah non, c'est sur la mine. One eternity later. Code noir là-bas ou quoi? Allez, gaz. Confirmé, code noir. Affirmatif. Reçu, nom, pacte, couleur, tenue. Rampage VMA sur Forest. Ok, monte sur la colline là-haut. Reçu, mon commandant. Oh non, ils ont la radio. Allez, au changement de radio. Couillot, L4 là, vas-y, t'as un petit télécom léger, manuel. Tiller, c'est ta radio. Normalement, le tiller. Bouge pas, bouge pas. Bouge pas. Et là, tu me trouves maintenant au télémètre, les tireurs. Info sur les pertes alliées. Sur Obamo, je suis seul, la voiture est cassée, ce côté au sol. J'ai pas de quoi réparer. Je suis levé, Maxime, t'es... Je suis devant, y'a un... Y'a un autre box qui s'est levé. Commandant, mon commandant, azimut. Vas-y. 303, y'a une voiture, 300 mètres. Regardez, y'a un box. Ah, j'ai touché. Où ça? Embarque, bravo. Où ça? Pas 303 moi.
Dans le Hugo. Je sais pas. Il vient de partir. Cervantes pour tous, okay, j'ai. Pointé au rouge mis sur carte Lynx. De bravo, le L4 nous focus. Regarde sur la colline en face de nous là. On se fait shoot, Snid. Snid, tu te fais shoot. Il est mort. Et écoutez eux les gars, faites. Sur la position de Aiden Scott, y'a un Pax. J'ai pas pu le récupérer, j'ai pu récupérer un des deux. Snid, t'es là? J'ai perdu Snid. C'est quoi noir sur zone là, allô? Afi, maniez-vous le cul là. De Dragon 2, je dois me poser. Regarde autour de nous. Monte Snid, je suis à côté pas. Il est quoi Snid ou il est pas quoi? Non, c'est bon, il vient de se relever. Unité, bravo, le L4 fait que nous focus depuis tout à l'heure. Dragon, prenez le L4 s'il vous plaît. Il faut une unité qui extrait Aiden Scott. Alfie, y'a un Tao les gars, faites gaffe. Allez, on bouge. Changement de radio les gars, faites-moi un changement radio. Attendez, j'ai fait une connerie, je me suis mal placé, y'a des mecs sur nous. J'ai perdu Snid. Déclenche balise. Ils sont deux Pax dans la forêt. Ils montent sur la colline. Deux Pax dans la forêt, hein. Pas au sommet de la colline, hein. Pas pour nous voir arriver. Allez, vas-y, c'est bon. C'est bon, peut-être du morceau. Ah, sur. En face de nous, normalement, quelque part là. Prends une Red Bull, hein. De Bellicam Pax PE, mort sur ma position. C'est bon, mon commandant. Regarde, on avance. Ferme la voiture. Essaye de retirer Snid, les gars, mais y'a des mecs pas loin là. Dave. Il y a toujours le lynx hein, dans le bâtiment là. Je crois que c'en était un, quoi. Cooper, tu me reçois? Afi. Y'a un mec sur la position de TE, il est au Lynx, il nous défonce tout le monde, là. Afi. Flingue-le, hein. Je suis dans la grosse merde. J'ai plus de binôme, je suis dans la merde. Mais t'occupe pas de moi, je suis en ifrit, flingue, il faut le flinguer. Merci. On va se cracher. L'équipe Delta qui est saute en parachute, c'est bon pour vous.
Gracilius, tu me reçois? Ah si. T'es toujours là? Va me check sur, sur Syrah, là, du côté Sharkia, ce qui se passe. Affirmatif. Pas de gueule de Dragon 2. Change, faites-moi un changement de radio, les gars. Quelqu'un qui est safe envoie une radio, je peux pas. Point 2, c'est pas... J'ai perdu mes deux collègues sur place. Non, c'était sûr qu'il y en avait un. C'était sûr qu'il y en avait un. Je le cherchais depuis tout à l'heure. Rampage. Rampage, Josh. Sur Jura, j'ai des DKO. Brasilus. Putain, il est mort aussi. Quelqu'un m'envoie une nouvelle frappe là. C'est bon, les frappes, hein. C'est quoi ça? On va mourir. C'est quoi ton nest verse là? Les deux muscles. Ah lol. Excellent. Oula. Bah oui. Joli. Joli Tranks. Mais il est mort. J'aurais dû rester en arrière en fait, et faire la barrière défensive dès que j'ai vu les véhicules et je les aurais baisé. C'est trop gourmand, je voulais aller les chercher en fait. Ça arrive. Non, j'en ai comme à deux et il y en avait encore. Ah oui, d'accord. Allez, forcément.
Bon bah voilà. Ça arrive les gars. Ouais. T'aurais mieux fait de te barrer, chercher une voiture et rejoindre les autres en fait. C'est pas grave. Hein. Quand c'est comme ça. Quand t'as une voiture à côté, tu peux évacuer, mais quand t'as pas de. Quand t'as pas de voiture à proximité, il faut sauver ta peau en fait. Hein. Ça sert à rien d'avoir 50 morts et. Là, fallait monter dans la bagnole, retourner à la bagnole et te barrer. Ou attendre en scred et tout défoncer. Mais là, j'ai pas trop compris le début d'action, faut m'expliquer. Je sais pas ce qui s'est passé. Ah, deux encore. On aurait mieux fait. En fait, on était dans leur bac. C'est ce que je disais tout à l'heure. J'étais trop gourmand, fallait rester là où on était. On les aurait neutra en bac. On était trop gourmand. C'est pas grave. Ça arrive, hein. Putain, ma Tesla avec tout l'équipement dedans, con. Oh, la gueule. Y a du monde qui arrive ou pas, là? Non. Pas grave les gars, c'est bien joué. C'est pas grave. C'est pas parce qu'on perd que c'est pas bien joué les gars. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en semelant qu'on devient ce métier. C'est beau ce que je viens de dire aussi. Ça manque d'infos les gars. Normal qu'il a pour rapide. T'as mis combien là? Allez on s'équipe les gars. Ah, au moins j'aurais pu tirer quoi. Ah ouais mais Max. Non, pas forcément. Hugo il meurt plus par ses amis que par. Moi je fais que par les packs. Mes années gros. Ça me. Tranquille. Ça arrive les gars, c'est pas grave hein. Non non c'est pas grave, non mais c'est, ça fait deux fois que je meurs par des alliés. Par contre, il y a vraiment un réel problème d'organisation, c'est-à-dire que vous mettez pas de points sur les cartes. Et en fait les unités qui sont derrière, ben, on sait pas trop où sont les packs ou une zone. Et donc on peut pas en fait bouger en conséquence. Moi par exemple j'étais derrière le bac de 6 mecs. Mais moi je peux pas le savoir qu'il y a 6 mecs parce que j'ai pas de zone sur carte en fait. Bah ça a été pareil pour moi, je suis arrivé sur zone et il y avait un ou deux packs qui étaient en train de tirer et j'ai pas eu l'information. J'ai eu l'information voilà. Beaucoup trop tard. Bah voilà. Donc, on a beaucoup de. Bah c'est une désorganisation. Merde. Ah putain mais c'est quoi ça? De toute façon que tu mettes un casque ou pas de casque. C'est pareil hein. Tu meurs tout autant. J'ai perdu 3 millions en 2 jours les mecs. Les pays vont bientôt tomber, messieurs. Patience. Mec, je suis passé de 40 millions à 30 millions. Du coup.
Ouais, vous êtes compté. 22, 23. Négatif. Non, ça suffira. Voilà. C'est pas grave. Soyez heureux d'être policier. Soyez heureux de mourir. Ah, c'est un vrai, toujours un vrai plaisir. De mourir ? Ouais. Non. Non, je suis heureux de mourir quand j'ai été utile. C'est vrai aussi. Et ouais les gars, on peut gagner tout le temps non plus hein. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Exactement. C'est un proverbe à la dé. Oh là, mais qu'est-ce que c'est beau ça. Merci, merci. Proverbe digne de Dédé ça. Vous vous dédénisez ou quoi? On n'a pas le choix hein. Ouais je sais. Ah ouais ça y va là. Dédé, je pense que tu vas finir vide à la fin de la soirée. Hein. Fini général les gars. Vous êtes vraiment dégueulasse. Ouais moi j'aime bien. C'est très bien que t'aimes bien. Ils le savent je pense que t'aimes bien. Ah, c'est pour ça qu'on le fait. Hein. Ouais, bon les gars, on se dépêche. Au lieu de faire des blagues sur les couilles de Dédé, on va bouger. Comment ça? Ils sont bonnes apparemment. Comment ça? C'est horrible. Oh, c'est bon. Jusque-là, c'est pas des blagues. Et 13 casques d'intervention qui se sont ajoutés à mon. Non, c'est à moi, c'est pour pouvoir prendre le boubou. C'est pour pouvoir prendre le boubou, je récupère tout. Non, mais j'en ai 13. Allez, Sir, on se dépêche. Avant ça, je suis pas sûr. Et hop, on va le dépêcher. Quoi, ce blood se pète. Ta fiole. T'as vu, ça fait blood. Regarde mon message dessus. Fait partie de la coalition. Ça fait de la blood. Oh merde. Alors on attend de voir si c'est que qui arrive. Pourquoi vous RCP pas parce que je me suis dit peut-être qu'on va les déplacer, mais en fait non, parce qu'il y a rien à faire. Ouais, je vais prendre ça. Donc on va les RCP du coup. Pas un lieutenant, ils sont pas beaucoup blessés, je pense qu'il y a un seul tir, c'est pas suffisant. Et il se passe quoi avec eux là? Ils ont pris des coups de taser, ils se relèvent pas. Non. Bah, félicitations. À nous, c'est bon. Allez, hop là. Ben alors, ils en sont où les autres? Ah ben il n'y a plus personne. Ah si. Ah ouais, c'est chiant. Coucou. Coucou. Vous pouvez pas vous équiper les gars? Ah non. Parce que du coup je fais des RCP. Ah je peux pas passer. Oh non, je fais des RCP. J'ai pas envie qu'il me RCP des... Même si il mériterait de mourir. Et mon devoir me dit de garder en vie. C'est qui lui là? Je sais pas, je ne vois pas. Je suis opérationnel mon commandant. C'est vrai? C'est Matif. C'est super, je suis content. C'est beau. C'est beau ce que tu viens de faire. J'aime beaucoup. C'est parce que je suis une recrue de qualité. Purée, vous pouvez me casser les couilles les gars. Sérieusement. Tout à l'heure j'ai mis un médecin commun. Et après je suis allé le sauver et je l'ai défibrillé et il s'est réveillé. Ah bien joué. À gauche là, c'est Maxime à gauche. Vous avez rattrapé votre karma.
Ouais. Faites des RCP sur le deuxième, comme ça au moins. Ça fait pas 6 heures, il est dans le coma, lui. On va peut-être le RCP, non ? Bonne nuit. Odor, mets-lui un doigt, ça va aller. Ma modératrice qui va se coucher. Au pire, on les fait s'endormir ensemble, les deux. Comme ça, ils font des bébés. Hein ? Ils crèvent. C'est une bonne idée. De quoi ? C'est vrai. Bon, bonne nuit. Bonne nuit, mon petit femme. Oh ! Ok, d'accord. La recrue c'est de qualité, ouais. Moi, je vais me pousser, ouais. Bon bah bonne nuit mon petit Forest. Bonne nuit à tous pour ceux qui quittent le live et qui vont se coucher pour demain à prendre l'école ou aller travailler. Oh, ça fait casser la gueule hein. Bah ça arrive les gars, c'est pas grave. C'est fait choix c'est. Par contre la machine à écrire elle peut... C'est pour cause de ton live que j'ai tiré, ouais c'est ça. Hey, le blues là. Il y a un rebelle, regarde, il y a un boot. Je peux pas aller le tuer, mon commandant. Ah, mais s'ils sont 5. Non, c'est la boot. Oh mince. J'espère pas. Sinon. Et là, il y a un Crips. Là, il y a un Crips. Il dort encore. Ah bah. Et on part vraiment. On les termine, non? Non, mais. On devrait les exterminer. J'ai perdu ma bagnole. T'as perdu ma bagnole? T'as perdu ma bagnole, t'as perdu ma diamant. Tu me dois 25 000. Quoi? Pourquoi mon commandant? Parce que j'aime bien. Ah oui, tiens, c'est ça. Corbino, hein, ouais, qui c'est qui m'a donné des thunes tout à l'heure? Ah, moi, frère, je vous en donne aussi. Voilà. Je peux vous les donner maintenant ou pas? Non, ouais, vas-y, donne. Ok, on y va. C'est beaucoup, hein. Allez, venez. Suivez-moi. Ah, tes conneries, c'est beaucoup. Le pognon, allez, viens. Hey, wake up. Oh, mais arrêtez. Ouais, moi aussi, pas quelque chose de fun. Alors, qui c'est qui m'a donné 200 000 déjà? Compte police. Il est où le compte? Hein? Ah oui, en effet. On a tenu mon commandant. Tout à fait d'accord. Attends. Donne rien. Non, pas encore. Non, donne rien, attends. Liste compte. Ils sont. Mais c'est où les comptes là? Dans liste des comptes. Liste des escouades. Liste des escouades. Liste des comptes. Alors, Viper. Il y en a un qui m'a donné 200 000 là. Je sais pas qui c'est. C'est pas moi. Bon, tu me donnes combien toi? 3 millions. Et c'est marqué où ça? Ah, Douglas, 3 millions. Reçu. Je fais comme ça, ok. Vas-y, donne. C'est bon. J'ai reçu mon capitaine. Ouais, qu'est-ce que je vous donne d'autre là-dedans? 3 millions 30 700. T'as pas. 3 millions 30 707. Vous voulez un petit supplément, c'est ça? 1, 2, 3. 1 million, 2 millions, 3 millions. Tu m'as dit 330 007, hein? 707. Ouais. Voilà. Ça, c'est fait. Qui c'est qui m'a donné des 100 000 tout à l'heure? Je sais plus. Je sais plus qui m'a donné 200 000 tout à l'heure. Je ne sais point. Je crois que c'est. Je crois que c'est lui. Reçu. Reçu. Non. C'est non reçu ça. Non reçu. Je crois que c'est ça. Je suis pas sûr. On est combien aujourd'hui? Le 12. Ouais, je sais plus. Ok. Parfait. Bon, on y retourne ou quoi là? Oh non, j'ai peur maintenant, mon commandant. Mais non. Faut pas avoir peur de cette racaille. Vous pouvez me faire un câlin pour me réconforter? Ouais, si tu veux. Ok.
commando. Attends, c'est bon, ça. Touche le téton. Bon. Tu veux que je te touche le téton, s'il vous plaît. Hop. Merci, mon commandant. C'est bon, on est reparti. Ah bon? Ouais. Bah, on se casse ou pas? Je suis sûr de pas être. Ça va se transformer en poids. Bon, ouais, sinon, moi je mets une charge, hein, ça va être vite vu. Hein. Je suis. Hey, je pense que ça sera plus rapide, mon commandant préféré. Ah, attendez, peut-être que la sécu arrive. Si la sécu arrive quand vous mettez la charge, on va pas être beau devant la sécu. Ils m'ont dit on se dépêche, on fait au plus vite, mais on a beaucoup de monde. Du coup, Sans déconner, moi je vais mettre une charge, moi ça va être vite vu le bordel. Allez, on va essayer de voir. Bon, je vais en chercher une. Je crois qu'il y a à un moment donné, il y a plus rien à faire, il faut les abattre et puis c'est tout. Hein. Non, il faut leur donner un peu de whisky. Bon, je me porte volontaire pour ça. Moi, je dis qu'il faudrait attendre. Je sais pas, mon commandant, là, ça fait au moins qu'il faudrait dessus, là. Moi, je vous dis vraiment qu'il faudrait attendre. Ouais. La dernière fois que vous avez utilisé une charge, vous avez pété avec. C'est vrai. Je me rappelle, c'est d'ailleurs moi qui ai essayé de sauver mon commandant. Rappelle-moi quand tu sers, toi. Bah, à vous réveiller, en fait. Oh mmh. Venez là, les gars. Ça tire à balles réelles, là, mon commandant. Ouais. Je crois qu'on est sauvés, regardez. Mettez-vous en ligne, Syrah. Ah, oh, il y a des fermiers. Allez, les gars, en ligne. Regardez, j'ai les Power Rangers. Force rouge, Putain. Force noire, force verte. Oh, la vache, c'est bioman, con. Oh, les bioman, là. On va te faire les guignols au club Dorothée, là. Ferait mieux d'être plus... Enfin, super-héros sur la route, quoi. Ah, non. Ah, le bâtard. Espérons que la sécu arrive. Mais ils sont où là? Il est où le Megazord? Le problème c'est que les sécu m'ont dit qu'ils ont beaucoup de travail, qu'ils font plus vite. Ah mais... Bah, ils pètent les couilles. Non, et on peut pas les charger et les emmener là? Vraie priorité. Attendons. Quand même. Attendons, moi je dis attendons. Attendons, ça fait 20 minutes qu'on attend. Si. Moi je cherchais une charge. Moi, je vais laisser non, 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 mon commandant, non, On a compris. Ah, j'ai cru que c'était relevé, putain. Ah, bah voilà, les gars. Une petite tatane et ça va mieux, putain. Fallait que je vous mette une tarte pour que ça aille mieux ou quoi? Ouais, ils sont pas relevés en fait. J'arrive. Non, c'est nos collègues les policiers, les gars. Avec une voiture de sécurité. Ah, si, ils sont relevés. Oh putain, il va faire un takedown. Putain, je vais aller chercher une charge, quoi. Bonjour, c'est la police. Non, c'est nous la police. Mais je compte et recompte le détail pour la CB et l'échec et la CB. Comment vous remontez pas? Retirez la musique. La musique là, ça les gars, vous croyez où là? Eh les gars, vous êtes des policiers les mecs, vous êtes pas des racailles, bordel. ODD? Oui, c'est moi. Qu'est-ce que tu veux, ma poule? Non, rien. Est-ce que t'as bien aimé ma musique d'hier? Ouais, passe-moi ton chéquier. Oui. Bah écoute, je t'ai laissé le temps de faire une petite chanson et tu m'as fait qu'une phrase quoi. Oh Dédé, passe-moi ton chéquier. Par contre, tu pourras me dire merci tout à l'heure aussi, je t'ai sauvé la vie. Comment? C'est pas toi que j'ai sauvé la vie tout à l'heure? Négatif. Ah, c'est ta collègue alors. S'il vous plaît. C'est ta collègue que j'ai sauvé? Je sais pas. Ouais, si, c'est ça qui a envoyé un message. Ah, mais c'est vous qui avez le point rouge sur la tête. Quel point rouge? Bon, est-ce que vous avez des douleurs particulières? Oui. Alors lui, il est... Pour vous. Ça devrait s'améliorer normalement. Oh Dédé, tu m'as vu, ça. Passe-moi ton chéquier. Oh Dédé. Si tu... Sinon, on viendra le chercher chez toi. En fait, c'est une musique de PNA qui dit oh Dédé à mon commandant. Salut. Oh, j'ai trébuché, je suis désolé. Calvin. Oh, on va pas rester là toute la soirée quand même. C'est vrai que c'est une bonne idée. Bah allez, on se bouge. Bon. Normalement ça devrait être bon. Bah allez, on bouge. Ouais, marre de rester là, moi. On peut rentrer assis là-dedans ou pas? Bah c'est ouvert, connard. Quoi, mon commandant? Quand vous serez prêt, vous nous appelez. Le touc-touc. Le touc-touc du commandant.
Tout, tout. Voilà, un vrai véhicule, mon commandant. Attends, quand t'as une paye comme moi, t'achètes des, oui, des voitures collector. Ouais, je peux comprendre, je peux comprendre. J'ai la place des véhicules en vrai. Je viens de vous donner 3 millions, vous allez vous acheter quoi avec ça? Bah là, je viens d'acheter la voiture. Ah. Ça vaut 3 millions ça? Hein? Ça vaut 3 millions ça? Ouais. Non, seulement par buff. Excusez-moi mon commandant, mais je crois que vous êtes fait un petit peu, comme qui dirait l'autre, enculé. Ah non. Regarde, je fonce dans l'arbre et tout va bien. Oh putain. Eh hey, fiston, t'as pas l'impression d'être au milieu du garage pour que je range ma bagnole, bordel de merde? T'en déconnes, c'est quoi ces SDF qui traînent partout là, même devant les garages? C'est quand même honteux ça! T'en déconnes! Eh hey, l'italien là! Vous nous l'avez énervé, c'est parfait. Putain, et ça c'est quoi là? C'est une usine à baguette ou quoi là? On est pas dans la merde, c'est... Putain, faut toujours c'est tout faire ici hein. C'est quoi ce bordel ici là? Oh. Oh. Comment? Vous voulez que je détruise les équipements, monsieur? Non, vous les ramasser. Les ramasser? Mmh, je sais bien. Bonjour, moi, policier Ruskovitch. Moi, vouloir boire vodka maintenant. Toi, payer, sinon, toi, mourir. toi, pas bien. Hein. Ouais, moi, très bien. Toi, pas comme. Toi. Ok, comme ta. Quoi? Toi, béguiller, toi, avoir peur. Moi, occupé. Toi, chanter chanson. Toi, chanter chanson à mon nom, maintenant. La Reine des Neiges. Un petit indice, c'est PNL. ODD. La frappe, j'ai personne qui l'arrête. Allez, toi, chanter maintenant. Vite, vite. Moi, perds patience. Moi, besoin d'aller voir Pout là-bas. Commandant, regardez, il s'est mis à poil, je pense. Bon, commandant, je crois qu'il vient de se mettre à poil pour que vous lui fassiez. Hein, je pense qu'il mérite une sanction. Hein. Toi, vouloir être au courant? Par contre. D'accord. Ne vous inquiétez pas, mon commandant, votre Tesla, vous allez la récupérer. Ouais, on s'en fout. Ils étaient 20 000 autour de nous. Bah oui, en fait, on était dans leur bac en fait. Parce que c'est lui que vous avez couché, je dis couché. Il y en a deux encore qui sont arrivés, j'ai tous les deux couchés. Et puis il y en avait encore deux. Allez, monte. On s'en fout de lui. Il arrive boule pour lui. Ils sont sourds, mon commandant. Ouais, je crois. Cherche le gars, il est derrière nous, occupé de courir. Eh hey, bonjour monsieur. Ok, on parle pas non plus. Ok. Mais c'est une manie chez les gens. Il est parti à l'hôpital hein. Ah, allez, on va le choper. Oui, bah, il était là. Vous l'avez pris? Non, on s'en fout de lui. Ah, s'en fout. Qu'est-ce que je veux faire avec lui? Vous voulez pas que je traîne sur Flex qu'on l'emmène dans la boîte à cul? Boîte à cul, c'est un top, ouais. Mon dieu. Ah merde, je t'ai roulé dessus. Ah putain, excuse-moi, je t'ai pas vu. Franchement, hein. Mais franchement, ouais, exactement, j'ai pas eu le temps de lever mes vitres. Je suis désolé. Donc comme ça, tu te mets tout nu devant moi pour que je te touche les biscuits, c'est ça? Ah non, c'était pour me toucher les muscles. Ah, les muscles. Bah, tiens, on va voir ce que t'as dans ton sac. Hop, viens voir là. On va te raqueter. On a déjà raqueté les flics, maintenant on va te raqueter toi. Vous êtes vraiment des... Vous êtes des flics? Non, on n'est pas des flics, c'est ça le problème. Mais qui êtes-vous? On est des laveurs de carreaux. Eh hey, mais c'est vous que j'ai dépanné tout à l'heure. Oui, c'est nous, ouais. Tiens, tu l'as vu assez près, mon taser, pour savoir qui on est ou pas? Oh la vache, les gars. Bon, allez, libérez-le.
Avant que les flics ramènent. Comme ça, ils savent pas qu'on a leur tenue et leur voiture, en fait. Moi, vouloir, police. Mais qui êtes-vous? Mais qui êtes-vous? On est la Rampage. La Rampage. Ouais, la Rampage. Tu sais, ceux qui streamoussent. On streamousse par terre. Il est monté que tout le flic. Allez, on va faire un tour. Allez, on y va. Viens. Attends. Ce qu'on va faire, c'est que je vais lâcher pendant qu'on roule. Ah non, c'était pas une bonne idée, ça. Vous êtes cruel. Si on fait un bout de temps. Ma jambe, putain. Ça fait mal? Excuse-moi, j'ai pas de permis. Eh, je peux conduire? Ouais. Mais sors du véhicule là-bas. Ouais, sors de la voiture. Non, 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 non. Non, mais je peux conduire. Sors de la voiture. Sors de la voiture parce que je vais m'agacer. Vous allez vous agacer? Bah, allez, bonjour, et quand je m'agace, je vais prendre un sandwich. Arrêtez de le tatane comme ça, les gars. Pas de violence policière, on a déjà dit. On n'est pas la police, on est la Rampage. Ah oui, c'est vrai. La police agit pas comme ça, les gars. Allez, on se casse. Ah non. Ok, allez, les flics. Et tu peux aller porter place en disant que la Rampage t'attend. Mente avant que tu te refasses sur ta place. Mais complètement pas net. Hein. Adieu. Alors, quand tu verras un perroquet dire « Hey, comment ça va ?» Tu lui répondras « Je vais bien. » Je suis désolé, c'était un flop. Moi, je suis pas un suceur. C'était un flop. Moi, je suis pas un suceur, c'était pas ouf. Moi, ouais, je sais. Mais j'ai essayé. Ça, c'est beau. Alors, les trafiquants de drogue, comment ça va? Alors, les trafiquants de drogue? Vous pouvez avoir le véhicule, s'il vous plaît, mon commandant? Oh, les trafiquants de drogue. Même. Vous abusez là, mon beau commandant. C'est quand lui ou quoi? Et je puis me permettre. Ah! Tour de magie! Allez, on s'en va! Allez, la baisse! Salam alaykoum! Oh! Circulez! Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit circuler là! Non, il a dit enculé. Ouais, bah, demi-tour, hein. Bon, c'est bon là, vous êtes prêts les gars là? Non, moi c'est pas très. Merde. Ouais, rigolez pas les gars parce que. Jamais vu ça. Tu n'as jamais vu un assassinat culotte, mon commandant. Ouais, je sais, merci. Trop de trucs à acheter. Tu as essayé tes cheveux là. Bah, ils ont poussé dans la nuit comme ça. Ouais, c'est pas dans la nuit là qu'ils ont poussé. Parce que ça me fait pas chier. Il est en dessous de la casquette depuis le début, c'est ce que je voulais pas vous les montrer. J'ai pas de casquette. Putain, bravo les Vipers, hein. Bravo les Vipers. Comment? Regardez sur votre place, une nouvelle radio. Je pense que t'es tombé dans le pot d'engrais, non? Oh, Camino, il est plus là. Bon, on y va ou quoi? Ah bah quand même. Allez, on bouge les gars. Une seule fois. Ouais, ok. Cool, raconte ta vie. Allez, on bouge les gars. Franchement, hé, les gars, franchement, vous êtes longs là, les gars, putain, allez là. Ah ouais, c'est moi, c'est là. Tu vas péter la vie, Steve. Ça fait hyper mal des couteaux. Allo. Salaud. Oh, j'avoue, vas-y, casse la vie dans le côté. Bon, les gars, oh putain, hé, les gars, franchement, vous êtes casse-buande. Allez, les gars, putain. Super, merci, Bono. Allez, on bouge, les gars. Allez, on bouge, les gars, là. On vous entend pas radio. Allez, on bouge. Vous restez en crâne, commandant? Oui. Je vous entends pas, commandant. Vous parlez plus fort, commandant. Oui. Vous voulez peut-être que je m'occupe de vos vitres? Allez, maniez-vous, là. Putain, les gars, vous êtes longs, là. Franchement, vous êtes longs à la détente, là. Hein. Allez, on se bouge, là. Ça fait 25 minutes, là, que vous êtes là. Tous les Vipers qui... J'arrête. Ta gueule, parce qu'on a le 2. Allez, c'est parti. Ah, oh, ils sont longs, les gars, là. Ouais. Ça percute pas, là. Heureusement que moi, je suis réactif. Ouais, heureusement, hein.
C'est bon, vous suivez ? 158, mon commandant, 180. Allez, j'ai une Mercedes grise, direction DC en 188 km/h pour les 50 réglementés. 252. Allez, c'est parti. 252 km/h, on se magne. Vous me sauvez, canal 1 ? Regardez en l'air. Allez, Mercedes là, direction de fuite. Bah, elle a cassé. Ah, mais ça va. Oh, c'est bien, canal 4. Je perds mon commandant. Tu es au barreau pour être ville, tu vas bien ? Vas-y, répare, répare. Vie, merde, putain, j'ai mon chef là, qu'est-ce que je fous avec ça ? On s'en fout de ça. Mais alors, fiston ? Oh putain, la vache, je viens de voir un truc. Oh putain, les gars, il a un taser sur lui là. C'est légal, monsieur. C'est américain, ça. Non, c'est plus légal, je suis pas au courant. Non, mais t'as pas compris en fait. C'est une blague en fait. C'est une blague. Je magie noire, je vous ai vu. Mais non, vous parlez de la blague, le courant par rapport au taser. Au courant ? Au courant. Vous aidez ? Ouais. C'est drôle. T'es sûr que c'est pas marrant ? J'ai pas les clés du véhicule, mon commandant. C'est drôle quand même, non ? Vraiment, mauvais public. Aucun humour, hein. Un mauvais public, mais 100%. Bon, monsieur, vous allez me présenter les pièces d'identité, s'il vous plaît ? Et attendez, je me relève, là, j'ai mal un peu. Voilà. Voilà, qu'est-ce que c'est que ça ? Venu, c'est reparti. Allez. Bon, vous savez pourquoi je vous arrête, monsieur ? Moi j'ai la magie noire, monsieur. Ouais, la magie noire à 252 km/h. Ouais. Ouais. Y a un truc là, Ven. Ce qui me fait rire, vous savez ce qui me fait rire chez vous tous ? À quel moment, monsieur, j'étais à 252 km/h ? Vous savez ce qui me fait rire, monsieur ? C'est que chaque fois que je vous arrête, que ce soit vous ou n'importe quel alticien de cette île, vous me parlez tous de magie noire. Vous êtes tous des magiciens ici ou quoi ? Non, mais moi j'ai un fromage blanc. Moi je vous parle de la magie noire dans le sens où si j'ai percuté avec vous. Non, c'est pas moi que vous avez percuté. Par contre, les 252 km/h, vous les avez bien pris. Oui, mais je les ai fait où les 252 km/h, monsieur ? Avant de faire demi-tour. Vous étiez où ? Je vous ai pas vu, moi. Non, mais c'est ça le but de mon métier, c'est de voir sans être vu, monsieur. D'accord. Donc, petite pièce d'identité. Oui, je vous l'ai donné. Ah oui, c'est vrai, Thomas Dubo. Félicitations, monsieur Dubo. Vous allez être verbalisé pour grand excès de vitesse. Pourquoi votre collègue, il m'a tapé sur l'épaule ? Parce qu'il voulait dire... il voulait... Ouais, il a vérifié. Quelque chose à déclarer dans votre voiture rebelle ? Non, mais c'est pas rebelle, monsieur. C'est civil. C'est... Oui, c'est rebelle. Ah, ouais. Je suis raconté. Oh, c'est quoi votre logo, là ? Il est sympa ? C'est quoi ? Un dessin, oui. Monsieur, je l'ai fait au même... J'ai collé fait... sur mon bras. Ah, vous avez fait des études d'art plastique ? Oui, ça. Ah, j'aime beaucoup. Et vous travaillez dans le domaine là ? Quel domaine ? Le domaine artistique ? Non, pas du tout, monsieur. D'accord. Bon. Ça fait combien de temps que vous êtes arrivé par avion, monsieur ? Pardon ? Ça fait combien de temps que vous êtes arrivé par avion ? Par avion ? Oula ! Ça doit faire, je pense, je dirais. Arrêtez-moi, mon commandant, de vous bander le bras. Sans compter les moments où j'ai dormi, j'ai eu un moment où j'ai fait une très grosse sieste. Ah oui ? Vous avez hiberné quoi ? Ouais, il me semble que je dirais 4 ou 5 mois, je pense. Donc vous êtes une marmotte ? Oh, j'ai fait un mois d'hibernation, mais après je suis revenu. D'accord, donc vous êtes au courant de la réglementation de vitesse. Donc je vais vous proposer un petit jeu, monsieur. Venez avec moi. Je le répète. Vous voyez cette route ? Oui. Il y a 3 réglementations. Dans le code de la route. Citez-moi les, vous n'avez pas d'amende. Si vous êtes trompé, vous avez une amende. Allez, alors, c'est parti. Donc, limitation de vitesse, c'est. Quoi, faux ? Limitation, c'est à 50, je me semble ici. Vu à partir de quel moment on est autorisé à rouler à 120. Et la troisième ? Rouler à droite. Oui, ah, c'est 120 déjà. À 120 ? Ah bon ? Oui, attends, 120, attends. Et ouais. C'est rouler à droite ? Ouais. Et la troisième réglementation de vitesse ? La troisième réglementation de vitesse ? La troisième ? C'est-à-dire la troisième réglementation de vitesse. Hein.
Ouais, il y a trois réglementations de vitesse. Il y a la ville, l'autoroute. Ah, et le rural, ouais, 70 km/h, il me semble. Ah bah vous êtes trompé. Attendez, la ville c'est 50. Ouais. Autoroute c'est 120. Ouais. Rural c'est pas 70. Il s'est trompé là, on est d'accord. Oui, ouais, c'est trompé. Ah, ouais, tu t'es trompé. Mauvaise réponse, Thomas. Alors l'autoroute c'est 110, pardon. 110. Mauvaise réponse, plus qu'un. Allez, un appel à un ami ou un 50-50 ? Appel à un ami, salut moi. Pardon, 130 l'autoroute. Mauvaise réponse. Quoi ? Quoi ? Ah non, c'est la bonne réponse. À poil, Donc, félicitations, vous n'avez pas d'amende, et en plus de ça, je vous rends votre baguette. Merci. C'est avec cette vitesse là, voilà. 250 km/h. Waouh. Donc la prochaine fois, je vous inviterai à rouler à combien ? 50. La prochaine fois, vous allez rouler à combien ? 50. Voilà. Bon, allez, bonne journée, monsieur. À partir de quel moment qu'on a le droit de rouler à 130 ? Quand tu auras un panneau 130. D'accord. C'est bien beau, dites que t'es en parachute, mais je sais pas où regarder la tête. Me revoilà, mon commandant. Ah merde. Mon commandant préféré. Il y a pas de panneau. Yep. Oh, c'est quoi ça là-haut ? Un hélicoptère, mon commandant. D'accord. Un Ouloukoupouter. Un Douglas Coupter. Un Douglas Coupter. Mais il surveille quoi lui ? Je sais pas. Transmet ? Un fil, transmet ? Ah, il y a un mec qui est là-bas. Préparez-vous, peut-être vol de Porsche. ADD, faudra s'arrêter quelque part pour qu'on fasse 3 escouades de 2 ou 2 escouades de 3. Ouais. Et quelqu'un a cigarette ou quoi? Cigarette, ouais. Pas vieux. Préparez-vous à l'interpellation. Hein? Il se croit seul lui ou comment ça se passe? Cache-toi, rapide. Attention, préparez-vous. Il regarde. Ah, il y a le doc. Attends. Il regarde. Il regarde, laissez-le faire. Regarde-le. Allez, vas-y. Ouais, regarde bien s'il y a personne autour. Allez. Oh là là, dis donc, il y a personne. Ah si, oh, ça m'intéresse. J'y vais pas. J'y vais pas. Non, il nous a pas vu. J'y vais. Top à terre. Tentative de vol, top à terre. Pourquoi je vous entends pas radio 2, mon capitaine, mon commandant? Ouais, tu peux m'appeler comme tu veux. Les cheveux de dos sont tellement imposants qu'on les voit à travers le pare-brise. Faudrait pas le soigner là, dans le véhicule? Qui ça? Ouais, y'a un mec dans le véhicule, enfin une femme. Ah. Ah oui, y'a quelqu'un dans le véhicule. Bah ouais. Ah ouais. Et j'ai des yeux de lynx. Là-bas, il y a une Ferrari aussi. Ouais, une Lamborghini. Pour être précis, mon commandant. Ouais, c'est bien. Lamborghini Aventador SVJ verte. Ouais, c'est bien. Il y a une. La Mercedes, elle roule à la bonne vitesse, incroyable. Incroyable, mais vrai, t'as vu un peu? Elle, avec votre jumelle. Ah, oh, je suis trop loin, je crois, pour la jumelle, là. Oh là là, elle aura 105, la voiture, la Lambo, là, elle a une petite vitesse, là. Elle est surtout en train de faire n'importe quoi. 200 km/h. Allez, on y va. 197. Ouais. Autre chose à faire. On y va, mon commandant ? Ouais, laisse-le, ça va. Oh. Pour faire chier les yeux. Même les yeux, il est toujours l'air de faire chier. Hein ? Ah, ça arrive en plus. Et vous avez vu ? Allez, on bouge. Allez. Commandant ? Quoi ? C'est moi devant. Putain.
Quoi? J'ai oublié ce que je voulais vous dire, désolé. Ouais. Ferme ta gueule pour voir. Ouais, c'est pas mal. Sympathique, mon commandant. C'est bon, on bouge? Ouais. Réfléchis-moi, tu seras moins fatigué. Vas-y, qu'est-ce qu'il y a là? Vas-y mec, eh mec Cobra lit pour battre. Eh mec Eh bien ou bien? Bien ou bien? Ouais tranquille la veste, ça va la fin là, bah écoute, tranquille là, tu vois, je me balade tranquille. Et toi ça va? Tu veux l'info là? Ouais. Tu veux l'info là, tu reprends la route derrière toi là. Ouais. Ouais. Deuxième sur ta gauche, tu continues ouais. Sur le chemin et peut-être t'auras des surprises. Ah ouais? Vas-y, bisous. Ben voilà! Et ce n'est avec la meuf, enfin la meuf à gauche. La deuxième à gauche? Deuxième à gauche? Ah! Oh bah derrière la colline quoi. Au commandant, je sais pas si vous avez entendu le monde s'il arrête ou pas. Négatif. Négatif. Y'a rien là. Y'a quoi là? J'ai pas une fréquence ce jour non plus. Mais je suis à deux là. Tu me racontes là. Oh putain. Test. Reçu. Putain, vous faites chier à changer ça tout le temps. Bah on l'a changé une fois, Dédé, après la grosse attaque. Vous allez être sur la fumée là-bas. Quoi? Il y a eu un accident de blanc sur la route, je sais pas ce qu'il y a eu. D'accord. Merci Loctar d'avoir follow la chaîne. Je t'invite à nous rejoindre sur Discord pour les jeux en communauté et également sur YouTube pour voir ce live et le live précédent et ceux qui ont arrivé. Merci à toi et bienvenue Loctar. Bon bah y'a rien, allez on se casse, route principale, direction la DC. Bienvenue Loctar. Loctar. Salam alaikum Loctar. Locart, pardon. Putain, tu m'obliges à dire Locart. Tu veux pas que je rentre? On a un monsieur qui est porté disparu depuis à sa voiture. Ah. Et je suis content de recouvrir les détails. Allez, direction DC, les enfants, là. Tu veux pas que je rentre DC? C'est bien reçu de Alpha. Merci, Alpha. Bon, tu veux conduire? Non, allez, prends le vite, le volant, maintenant, vite. Oui, on va faire ça à la DC tranquillement au garage de Negades. Ça me va. Du coup, attends, faut faire demi-tour. Si vous voyez un monsieur avec un chapeau noir et tenue noire, c'est le monsieur qu'on recherche. Et, attends, c'est pas nos collègues. C'est reçu quand même là. C'est qui le monsieur qu'on recherche? C'est le monsieur qui a cassé son véhicule mais qui a bizarrement disparu juste après. Encore? J'ai commis une forte impression que tu pourras le chercher longtemps. Et tu penses? Là, il y a plein de traces de sang et. Sachant qu'il y a une autre voiture qui était hyper suspecte qui est passée à côté, j'espère qu'il l'a pas embarqué quoi. On va Diamond ou... Okay. Nous l'espérons. Ça va l'enfourrière. Nous Alpha, on arrive devant la DC. Les fréquences, c'est quoi? C'est... Voilà. Quand qui suit pas. Ah ok, d'accord. C'est bon. Ah mon commandant, c'est normal que j'ai plus de voiture dans mon garage? Ouais, c'est normal. Yes. Du coup, j'ai perdu ma jolie sur les roses. Yes. Allez, on trace la route. Tu vas où là? C'est de l'autre côté. Hein. Negades, c'est de l'autre côté, fiston. Donc, si tu veux conduire, apprends la carte et les routes. Sinon, tu vires dans le coffre. J'ai pas mis de du champ. Eh ben, faut que je prenne ma carte alors. Oh. Je vous laisse le volant. Tu connais pas les routes ou quoi? Bah, attendez, faut que je regarde sa carte tournée. Ah, ouais, d'accord. Des petits soucis dans sa tête, là, monsieur. Je la connais très bien cette route. Dites-moi, est-ce que le masque qu'on met sur le visage là qui cache la moitié du visage jusqu'aux yeux est illégal? Est-ce que les bandanas est illégal? Non, je suis la route. Ok, c'est bon, c'est là. Non? Oui, mais non. On s'en fout. Ouais, ça va, ok, parfait.
Bon allez, direction DC là. Attends, tu vas voir c'est quoi. Yo Ultimate, comment tu vas? Bah si, c'est ça. Je débarque le civil avec moi ou je laisse... Laisse-le, et c'est Zampé, c'est celui qui est au garage. Ouais, du coup y'a plus de véhicule. Bah bravo les gars. Du coup on revient dans la DC, tout va bien dans le meilleur des mondes. Sinon t'as des routes hein. Bah moi je dis ça, je dis rien. Oui ben... Ouais, ça va nickel Ultimate. Merci ami, ami Ming 999, merci d'avoir follow la chaîne. Je t'invite à nous rejoindre également sur Discord et sur YouTube pour revoir le live et tous les lives de la chaîne Springfellow TV de DD sur Altis Live. Merci à toi et bienvenue dans la famille. Bien mon commandant, bien joué pour les 300 millions. Merci. Ouais, 300 millions, ouais, merci. De rien. Il est perdu le gars qui plotte. Ouais, un peu, ouais. On y revient de la DC. Ouais, donc on peut faire garage Negades. Je pense qu'on peut, parce qu'il y a rien de spécial à DC, tout va bien. Hugo. Président. Non, Hugo, achète un GPS. Achète-toi un GPS. Bah c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ça te rappelle des souvenirs quand tu fais des études LSD hein. Toxico. Moi, bon, moi, je m'attends à réveiller tout pour me lever. Avant que je me range en tant qu'indique, c'est vrai que. Super, on est allé, on reforme les escouades de 2. Patrouille de 2, pardon. D'Alpha, malheureusement, on a cassé. Ah. Pourquoi il n'y a jamais personne? Oui. C'est bon. I believe I can fly. Tu crois que tu es une étoile par brise en même temps, non? Commandant Dédé. Et vraiment, faut que tu penses arrêter de faire le susque. Allez, en avant, cavalerie. En avant où? Ah, je sais pas. C'est bon, vous êtes organisé, on peut y aller? Presque. D'accord. C'est long, les gars, c'est long. Rien à signaler. Faut que ça percute, les gars, faut que ça percute, ah, bordel. Je suis massif, désolé, on a cassé, du coup on arrive pour déposer le deuxième binôme là. Du coup, vous êtes trois dans votre voiture, je crois, chef. Ah, fille, y en a un qui va venir avec vous. Allez, y en a un qui descend. Vous voulez vous mettre devant, mon commandant? Non, je suis bien derrière, pourquoi du ça coup, dérange? Vous formerez l'équipe Charlie. Non, bravo, pardon, bravo, bravo, bravo. Hein? Qui ça? Non, vous, Dédé, vous serez Charlie. Charlie? Allô? On est déjà. Je suis pas très Charlie. Dédé, tu peux te pousser, s'il te plaît. Je sais pas où je suis, attends, je recherche Charlie. Dédé, t'es avec qui? T'es avec Joran? Allez, avance, avance, Hugo, là, casse-toi. Avance! Bon. Oh, putain, stop! Arrête-toi! Oh! Oh, mon petit Hugo, qu'est-ce qu'il faut pas faire pour. Faut tout apprendre, ah, en fait. C'est bon, le dispatch s'est mis à jour. Pourquoi faut toujours tout apprendre? Ah, parce que direction! Sion! Direction, allez, direction route principale, je sais pas, moi, prenez ouais, l'initiative, merde. Comment? Comment? Allô? Ça me va, allez, go! Attention, ouais, je vais vous montrer la tombe de mon joli Jelly Jumper. C'est où? Direction plan de cocaïne. Le plan de Coco, il est où? C'est reçu. Ouh, yeah, ça y est, je commence à bailler, les gars. On dirait qu'il est nouveau sur le serve. Non, c'est qu'il n'a pas l'habitude. Allô? 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 Oui, parce que, en fait, allô, les problèmes d'audition, du coup, les appareils se sont éteints. Il y a pas, je te l'ai déjà dit, ça rend sourd. Eh oui.
bordel du cul de merde. Take a part of me everywhere. Take a part of me far away. Ça sent bien, oui. I believe I can hold. J'arrive pas à vous chanter bien, mais vous chantez. Est-ce que tu veux avoir une carrière dans la police? Oui ou non? Effectivement, c'est ce que j'envisage. D'accord. Faut que je fasse faut que je fasse le susboule, c'est ça? C'est ça. Jusqu'à jeudi. Quel chant magnifique. Merci. Ah là là. Ça, si j'avais su, je serais resté. Ralentissez un peu pour le slider. Roche. Je suis fatigué. De quoi, je sais pas, mais je suis fatigué. Moi, ça va, c'est demain matin qui sera plus dur. Ah, moi je suis en vacances. La chance. Ça y est. Ça y est. Je suis en vacances. 7h demain matin, ça va être. Ça te fera les pieds. Ouais. C'est quoi la limitation sur les roues inter? 130. Moi ça me va comme réponse. Pareil qu'en ville je crois, non? C'est pas trop 130 du coup. Moi j'aurais dit pas de limitation en fait. Bah pour certains si, parce que ils cassent tout le temps. C'est pas 80 ou 90? 70. Ouais c'est ça. Oh, putain les gars, vous êtes policiers, vous savez pas? Et après vous mettez des amendes. Oui, maintenant vous roulez trop vite, présentez-moi une pièce d'identité. Il faut aller. Pardonnez-moi mon commandant, cela ne se reproduira plus jamais. Ever, never again. Never, never, never. Coup de fuite? Coup de fuite, quoi? On doit aller où mon commandant? Ouais bien sûr, carrément. C'est bon, vous nous avez rejoint ou pas le stridé? Bah, comme à une allure de 100 km/h. Du coup, ouais, donc je disais sur le live. Allez, je m'occupe de vous un petit peu, là. Du coup, comme je disais, Instant Gaming, pour ceux qui n'étaient pas là, m'a filé une clé de Escape from Tarkov que j'ai pu tester ce matin. Et franchement, c'est un jeu PVP. Mélange d'Arma, de DayZ et un soupçon de R6. Et franchement, pas mal. On continue la route. Il n'y a pas du tout de cocaïne ici. Et franchement, je vais commencer à faire des lives là-dessus. Parce que je trouve ça super intéressant. Ça peut être super propre comme jeu. Enfin, je vous montre. De toute façon, il est en bêta. Et franchement, j'ai testé ça ce matin et franchement, c'est top. Je sais pas si vous aimez pas, si vous aimez bien le PVP. Donc, je vais streamer là-dessus. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemble Escape. Vous avez sûrement déjà dû voir des lives et des streamings sur ce jeu, sur Twitch. Donc, je vais commencer à faire des lives là-dessus avant ou après Altisrive. Donc, restez bien connectés sur Discord pour avoir les notifications ou sur Twitter. Ou vous cliquez la cloche, je souhaite avoir la notification du début des lives. Et vous verrez quand je vais streamer ça. Je pense que je vais en faire un tout à l'heure, je ne suis pas sûr. Mais c'est même certain, je vais en faire un tout à l'heure. Donc, vous me direz ce que vous en pensez de ce jeu. Et franchement, ça peut être super intéressant en groupe. Est-ce qu'on peut créer des groupes ou tout ça sur la bêta? J'en sais rien.
Mais ça peut être super intéressant à streamer. Donc voilà, bon info. On va essayer de check la mine de diamants d'Alpha. Et bah c'est vide, la DC ne travaille pas aujourd'hui. Quelle bande de feignants. Vive les fonctionnaires. Vive la fonctionnalité. Vive les fonctionnaires, vive moi, vive vous, vive nous. Putain, je suis rien perdu. Vitesse ahurissante. Ahurissante, peut-être pas. Vous vous occupez du contrôle, Charlie ? Salut ! Qu'est-ce qui se passe ? Comment ça, tu es en son équipe ? Comment ça ? Allô ? C'est K2000 ? Ta voiture, elle cause ou quoi ? Comment ça, elle cause ? Bah oui, elle parle, ta voiture, elle m'a fait, le conducteur, il conduit super mal avec moi. Bon. Donc, ouais, t'as un dépôt de plainte au cul, mec, ta voiture vient de déposer plainte. Ah bon ? Ouais. Parle doucement, Redfield ! Tu fais comment, là ? Oui. Hein ? Tu fais quoi, là ? Bah, je fais quoi ? Bah, je vais me promener. Non, mais je m'en fous, en fait. T'as une pièce d'identité ? Ouais, bien sûr. Ah, ok. T'as eu les pecs, un peu ? Vas-y, touche les pecs. Vas-y, touche-moi les pecs. Non, mais pas comme ça, touche-moi les pecs. Non, pas comme ça, touche-moi les pecs. Mais si, vas-y, touche-moi les pecs. C'est comme ça qu'on touche les pecs, là. Vas-y, montre, voilà. Comme ça. Hop, ah, vas-y, touche-moi les pecs. Ah, mais j'ai mal au doigt, là. Mais je m'en fous. Ah, ça va ou quoi ? Ouais, ça va. Oh putain ! Tony Shack, les gars ! Putain, tu viens plus aux soirées, Tony, ça fait longtemps qu'on l'a pas. On avait pas fait oui. Dada, comme on avait dit. Eh ouais, non, ah. c'est vrai. Je vais... Est-ce que tu connais Dada ? Dada ? Ouais. Est-ce que tu as déjà fait Dada dans ta vie de rebelle ? Est-ce que tu as déjà fait Dada ou pas ? Ouais, j'ai déjà fait Dada, ouais. Ah bon ? Eh ben, tu vas me montrer comment tu fais Dada. Allez, fais Dada. Non, j'ai pas fait Dada, je connais pas ce que c'est. Ah, alors, couche-toi, je vais te montrer comment on fait Dada avec les rebelles. Couche-toi. Mais tu diras rien à personne. Hein. Allez, fais le cheval. Allez, Dada, voilà, t'as fait Dada avec moi. Tu peux te lever. Est-ce que tu es content d'avoir fait Dada ? Ouais. Surtout les rebelles. Eh ben écoute, ça t'a sauvé parce que tu n'auras pas d'amende. Ah, c'est gentil. C'est sympa. Par contre, merci. Pourquoi t'as une arme dans ton sac ? Mon sac ? Ouais. Parce que c'est un affranchi. J'ai pas d'arme dans mon sac. Ah, c'est un affranchi ? Ah oui. J'ai pas d'arme. Ouais. Et sur toi ? Oh ! J'ai pris le sac. Ah ! Qui a supprimé le sac ? Négatif. Non. Négatif. Ah merde. Oh, putain. T'as les gars, merde. Ah oh, putain. Hugo, putain. Et Tony. Ma mère, c'est pas moi. Le prochain qui dit que c'est moi. Putain. Excuse-le. Donc du coup, je te donne 10 000 euros et je te laisse taper 90 dans la voiture. Tu vois ce que je veux dire ? Bon allez, à plus tard. Merci Didier. Moi je te donne plus parce que moi je suis plus sympa que mon commandant. Et fiston ? Oui. Non, rien. C'est quoi ces fausses accusations là ? Moi je détruis pas les sacs. Allez, direction à Tira. Ville brigand. Reçu. Pourquoi il m'a appelé Dédé lui ? Qui ? Bah lui. Ah. Pourquoi ? Je connais pas moi ce mec là. Bah non. Voilà, on a fait Dada. Bah, il est con surtout. On fera mieux la prochaine fois. Ouais, parce que là c'était moyen le Dada. Pourquoi il était pas réceptif ? Non, pas du tout. Et en même temps, il s'appelle Tony. Hein. Vous avez bien fait de supprimer son sac. Je sais pas qui c'est. Devant la voiture, vous avez supprimé le sac, on le sait. Est-ce que Dédé, c'est toi qui as supprimé le sac ? Ouais, sans faire exprès. Mais il faut toujours dire que c'est la faute de la recrue. Ah. Attira clear, mon commandant. Direction dealer ou pas ? Oui, dealer. Ça me va. C'est quoi son nom de famille à dealer ? Ça me vénère. Dealer, ça me vénère. Ouais. Ok, d'accord. Snit de Dédé ?
constaté. C'est bien reçu. Ah, vous avez compris, il est parfait. Bim là. Ah putain. Celui-là était beau, celui-là. Oh merci. Enfin, on va s'amuser. Spécial dédicace. T'avances pas le tuk-tuk. RAS au dealer, ça me vénère. Ok, on reprend en direction Douane Nord. Y'a rien sur Freddy. Sachant qu'on est à côté. Tu pourras pas te venger si. Eh non mon petit Mia, Myro, putain je vois pas sur mon écran. Miro, non pas du tout Miro. Pas une banque ce soir. Il y a eu deux gunfights, une prise d'otage, mais c'est tout. Soirée assez calme. On avait Garou. Et c'est quand qu'on se l'a fait la boîte à cul? Oh, arrêtez avec la boîte à cul les gars. C'est un club privé, je peux pas vous inviter. Ah fou, j'ai été invité moi la dernière fois. Ah mais c'était la dernière fois. Je peux plus en être invité maintenant. Maintenant t'es recrue, tu peux plus être invité. Maxime, tu mets ton nouveau soundboard. Pourquoi? Parce que j'ai envie de l'entendre. Je conduis là, désolé. Ah, tu mets ton nouveau soundboard, on s'arrête et je veux l'entendre. Si tu veux. T'es de ma gueule ou quoi? Attendez. Théodore, tu vas bien? Sur la radio, là. C'est bon? Voilà! Voilà! Ça, c'est bon, ça. Calvin, on y va en fait? Ah, je croyais yes. Ah, merde, j'ai pas eu qu'il y ait un panneau. Merde, j'ai pas eu qu'il y ait une barrière. La barrière. Tape dans le fond, je bats ta mère. On est plus beaucoup les gars, on a plus de CPA, on a plus rien là. Et on a plus de personne. Des fois. Parce que je n'ai besoin de personne. Non, oh, allez David Dixon. Exactement, pourtant on est dans une Shelby GT500, dans une Ford Focus RS. Donc ça n'a rien à voir. Exactement. Mais on a besoin de personne tout de même. Parce qu'on est les Viper. Et les Viper c'est les meilleurs. Meilleurs. Et on est des killers les gars. Exactement, comparé aux Cobra qui sont des... Bonjour. Tokers. PD. J'ai défoncé toi. Et on va éviter de parler des Sierra que le commandant est là. Je sais que dans le fond il nous retrayait un jour. Une fois que j'aurai formé votre cohésion et votre groupe, je m'en irai. La tête haute et les épaules droites. Bravo mon commandant. Les couilles vides. Et sachez que la cohésion est déjà présente comme vous pouvez le voir. Pas sûr. Arrêtez commandant, on est la meilleure escouade du monde. Faut faire des merguez ouais. Du coup race, Douane Nord. Bah allez, on prend tranquillement fabrication de cigares. Fabrique de cigares, ouais c'est reçu, on va monter directement. Ah bah y'a déjà les copains au niveau du cigare. Ah bon. Eh ben, je sais pas, On va dire coucou aux entreprises, tiens, direction la LCO. Ouais. On va aller chercher la caisse noire. Mais du coup, on a déjà une cohésion d'équipe, commandant. On est parfait. Ouais, je vois ça, ouais. On est extraordinairement parfaitement parfait. Bon, parfaitement ta gueule, toi. C'est pas sympa, ça. La cohésion, on a dit. La cohésion, on a dit la cohésion, putain. Jericho, là. Hey Dora l'exploratrice, qu'est-ce que tu disais? C'est qui avait parlé en fait? C'est Jorida. Le mec dans ma voiture. Oh le pauvre. Tu es la carte. Du coup, il disait la LCO elle est fermée. Hein. Ah bon? T'es sûr? C'est écrit fermé ou il y a plus vraiment personne? Non, c'est écrit fermé donc ils sont peut-être là-bas en train de préparer un convoi. Ouais, je dis quoi, la descend, on en revient. C'est moi qui suis à l'école.
La MC, pardon. Bourré de trucs et de bricoles. Ah, sinon, on peut aller à la LC, j'aime bien la LC, c'est cool. Y a la place. Ouais, la LC, c'est bien. Allez, on y va. Ok, d'accord. Bravo, il est mort, je crois. Ah, putain. Ah, merde, ah oui. Ils sont coma. Coma sur un air d'armes, c'est pas beau, ça. Oh, putain, les mecs. Oh, mon dieu. Sortez-les, les gars. Oh, ah, ouais. God. On peut pas les sortir. C'est comme par hasard. C'est Bellucci, en plus, qui est coma. J'appelle la médecin directement ici. Ah ouais, la fille, ouais. Doc, on a besoin de toi, vite. Ouais, putain, Doc. Je m'occupe de la demande. Je m'occupe de tes packs qui seront autour. Demande à Masketo plutôt de le faire. Oh, j'aimerais bien pouvoir le sortir. Masketo, mène-toi de cul, le Doc. C'est la centrale médicale, donc... Allez, pas le sortir. Venez à la oil, blessé. Ah, c'est bon. Ils ont juste trompé mon commandant, vous savez. Ça arrive. Alors, de se tromper, un petit tourniquet ici. Oh, tourniquet. Ça, les gars, c'est simple, quand vous avez besoin d'un médecin, vous faites une commande longue en nous appelant, tout simplement. Vous appelez la centrale médicale et c'est tourniquet. Qui... Ça me convient. David, qui a 150 demandes de messages de la part de la police. T'as pas de téléphone, dans ces cas-là, je le fais. Non. Ah bah ouais, venez à la hall blessé, mais putain, on n'est pas à la sécurité trompés, civile. Ils sont trompés, ça arrive. Oh, mais ça bonjour, fait bizarre. Récupère Mégaro. Ouais, le bonjour, le Yuan, merci, c'est obligatoire. Sud SVP. Vous inquiétez pas, je pense que je connais très bien ce côté-là. Voilà. Ah, je récupère Mégaro. Ah, vous avez fait. Tu vas bien, Kevin? Oui. Regardez-le à côté, c'est débile. Et comment sur le reste? Je vais mettre une petite morphine à Dédé. Oui, je suis en train. Dédé. Oui, voyez, morphine mieux. Vous allez pouvoir commencer RCP sur ce tour. Basketo, tu peux RCP aussi. Ah, CPA, vous êtes toujours là? Vous êtes toujours là, CPA? Café. Merci, les anges gardiens. Vous êtes des héros. Merde, t'es blessé, je crois, Basketo. C'est pas normal. Mais... Ça dépend de quelle bouche ça sort, hein, parce que la bouche de certaines sont des mercenaires. Mode de mercenaires. Ouais. Vous êtes des héros pour moi. Moi je vous aime, je vous adore. Allez, je vais te sauver la vie parce vous que. Êtes... On peut être les deux, hein. Vous êtes dans mon top quoi, dans mon top 4 des meilleurs escouades. Par contre, tu saignes, je crois. Ouais, je vais m'en occuper. Donc Dédé, ils sont en RCP, je vais m'occuper de. Saigner, masquer toi. T'es appelé en longue? Ah, t'as un petit saignement au niveau du torse, je m'en occupe. Je prends son poulet. Putain. Il en a pas. Mon dieu, il a pas. Tiens, il a un poulon. Ah ouais? Non, ça, tu sais que c'est un. Oh mon dieu, tension basse. Tension basse, c'est normal. Oh mon dieu, son poulon, il va se réveiller. Il va se réveiller. Il a sûrement pas. Si, il a poulon. Vas-y, arrêtez-le. Arrêtez le RCP, il a un poulon, il va se réveiller. Bellucci, réveille-toi. Bellucci, réveille-toi. Bellucci, réveille-toi. Bellucci, réveille-toi. Bellucci, réveille-toi. Bellucci, réveille-toi. Ah. Comment tu fais pour ça? C'est quand tu veux, Doc, hein? Parce que moi je vais pas tenir longtemps là. Tu prends ton arme en main. Vous avez pas trop pressé, je crois qu'il y a pas sauvé dessus. Là, je prends le pas. Monsieur? Encore couché ou pas? Ouais, il est encore couché. Et parce que ça se pointe automatiquement en fait. Mais... Attends. Ah, c'est ce que je fais, mais. Voilà. Attends. Il y a son. Eh, Vapeur, on s'entraîne là, on s'entraîne, Vapeur. C'est constant. 34,90. Qu'est-ce que vous faites là? Allez, on s'entraîne, les Lizogoto, c'est parti. Vous êtes pas sur un terrain gymnastique ici, on est là pour s'entraîner. Vous êtes des machines à tuer, vous des armes à tuer. Si cette tension ne monte pas, tu. On s'allonge. Tu vas refoutre un coup de défibre. Et on saute. Attends un peu. On saute. Allez, c'est parti. On s'allonge. On s'allonge. On saute. On a l'air de remonter, bon, on va attendre. C'est la CS le pool là donc. Ok, d'accord. Allonge. Oh, ah, son pool remonte. Ouais, bon, on va attendre. C'est bon, on est prêt, on repart. Ça tourne. Non, pas encore. Il y a combien là?
On saute. On saute. Oh là là, mon commandant, une vraie biche. T'as vu un peu? T'as vu la gazelle un peu? Hop là! Hop là! Hop là! Ouais, j'ai joué, on fait la biche en boîte. C'est toujours un coup, non? Rebelle! On le voit. Oh là! Attention, mais il a pas de culot, lui. On continue à augmenter, mais il est très lent. Hop là! Hop là! 70, nickel. Hop là! Je me suis marré le matin. Hop là! Hop là! Ouais, ça a remonté. Hop là! Bellucci, Bellucci, réveille-toi. Bellucci, si tu travailles maintenant, t'as 25 millions. Allez. Ouais, 110. 25 millions. Bellucci, 25 millions. Bellucci, dans 5, 4, 3, 2. T'as tout perdu, t'as tout perdu, t'as tout perdu, t'as tout perdu, t'as tout perdu. Je pense que là tu peux en foutre encore une épi. Et Bellucci revient parmi. Touche-moi encore une fois mes fesses et je te défonce. Alors on met une épi, hein, mais ce qui est pas bizarre, c'est que. Il est comment lui? Je sais pas, il vient de trébucher. Il vient de se prendre la barrière. Oh merde. Mon commandant, je crois qu'il est grand que votre chien. Tu foutras un coup de défi. C'est vous battre? C'est pas vous battre? C'est quoi là? Hippie. Wake up! 98. Logiquement, si tu as son poule, elle s'accélère. Ah! Vas-y, bah fous un coup de défi. Oh non! Oh putain! Tu branles toi. Respect mon lieutenant! Mais si, attends, je me souviens. Arrête, c'est bon. Allez! Aïe. T'as vu? Par contre, on peut me sonner s'il vous plaît. Hop là! Attends, je m'en occupe. Il y a encore des Marshall ou pas? Vous pouvez prendre une raid, s'il vous plaît, monsieur. Ah, Milky Way, ça va ou quoi? Ça va. Mon commandant il a ripé, je crois. Avec une barrière. Allez, on recommence l'entraînement devant le lieutenant là. Non, je te déteste. Mais mon respect, lui. Non, pour toi. Moi aussi, je me déteste. Non, c'est bon. Parfait, vous pouvez vous relever. Eh, franchement, tu gères, mec. Franchement, Star Trek. Merci beaucoup. Bon, je vous laisse, messieurs. Au revoir. À la prochaine. Allez, on bouge! On est comme ça là. Allez, on bouge! Ils sont nés à la BA, vite! Attention, c'est une recrue qui a un casque. Et moi je monte dans la poche. Il faut aller à la BA vite. Pourquoi? Je sais pas. Merci, Jora, je sais pas. Il se passe quoi là? Je sais pas, on est à la BA, mais pas de policiers. Ah? Soit on s'intéresse, ou on leur dit tant pis et on va la laisser quoi. Non. C'est reçu, on va la laisser. Allez, gaz. Hein. Il faut que vous passez à gauche, elle était blond. La laisser, c'était à gauche, messieurs. Quoi? Comment ça? Pareil. C'est pareil, c'est du chipotage. C'est du chipotage. Oups, j'ai loupé la sortie. Bellucci, qu'est-ce que tu fais? C'est dans ta voiture. Mais je sais pas, faudrait dire ça, Jorin.
Genre, qu'est-ce que tu fous dans la voiture? Ah non, ça va, t'es avec cocaïne, donc ça. Et la sortie, c'est par ici. D'ailleurs, est-ce que le lieutenant est sur la radio? Telle est la question. Je reviens. Hop là. Le lieutenant, il est pas sur la radio. Essaye cette fois de pas retourner, quoi. Sûrement. Alors, déjà, je fais ce que je veux. Allez hop, il a sauté ta bagnole. Kelvin, c'est un abruti. J'ai pas d'autres mots pour lui là. Bah ça va, il y a la sécu à côté. Il vient de sauter de la voiture. Ah. Et après il dit oui mais Redfield il échappe, il m'écrase avec son Strider, mais en même temps il fait avec tout le monde. Ouais, va là le site. Il est tellement pressé de sortir ses véhicules à chaque fois. Comment ça va? Dis-moi, qu'est-ce que vous faites? Rien. Je remarque que j'aime pas ton arme. Je déjà encore un laser à figure. Parce que je sais pas, j'ai jamais essayé, donc je sais pas si elle est bien. Attention, on a un Strider qui arrive en excès de vitesse. En excès de vitesse? Le jour où je serai en excès de vitesse, tu me diras. Fais attention, code noir. Tu peux pas arriver à 130. Messieurs, mes enfants! À l'écoute! Venez dans mon nouveau bureau. Tout le monde dans le bureau! Tout le monde sous le bureau! Là, je dois aller sur le bureau. Non, y'a que Odor qui passe sous le bureau. Ah, sous le bureau, ouais. Quoi, moi, faire ça, j'avais de la vie. Odor, sous le bureau. Merci beaucoup, monsieur. Chut, on avait perdu. Pas c'est ça qu'on vous voit! Allez, passe en dessous, c'est mort, jazz. On va le voler la petite Lamborghini. Rendre mon commandant. Oh, le site de cul quand même, mon commandant, on aurait pu éviter. RS, ouais, bah c'est pas moi, c'est l'autre en bas là. Bonjour, colonel. Oh, ouais. Bon, mais tu monsieur... Mais quand il dit qu'il est famous, il dit quoi que des conneries, hein. Ouais. On va pas l'avoir. Putain. Ça, c'est le colonel Sneed. Bon, les gars, nous avons bien travaillé cette semaine. Et je vous ai acheté ce bureau. 10h. Donc à partir de maintenant, nous allons nous retrouver ici tous les jours. Ok, ça me va. Parce que j'estime que, à mon rang, on doit avoir un bureau comme ça. Ouais, je suis d'accord. Je suis carrément pour. Dites-moi, pour l'instant, est-ce que vous voulez vous asseoir? Pardon? Commandant? Non, mon lieutenant, je vous laisse la chaise. Je vous en prie, asseyez-vous, mon lieutenant. Non, c'est du pissenlit. Non, je vous laisse vous asseoir. En gros, n'évitez de la bouger, sinon vous ne pourrez plus vous asseoir dessus. Encore une fois, Viper a fait ses preuves et a su stopper la rébellion. Malgré la perte d'une défaite. La perte d'une défaite, ouais. Ah, c'est pas mal ça. Malgré avoir perdu Dorida, nous avons été fiers et forts. Excusez-moi, madame, mais bon, je suis en train de parler là. Attendez, j'arrive. Nous sommes en réunion. Ouais. Et moi, nous sommes en réunion. Excusez-moi. Madame, vraiment madame. Vous êtes colonel le jour où je serai général de la sécurité civile. Bah, c'est-à-dire vraiment. Bonjour, tiens, monsieur Bellic. Donc, j'aimerais bien qu'une danseuse vienne et me fasse une danse un peu érotique. Encore un jour où la criminalité a été stoppé grâce à nos actions. Encore un jour où nous avons... Qu'est-ce que tu fais, toi? Il va se faire flotter, Kelvin. Le bureau de Monsieur Noël. C'est un Monsieur Noël, vas-y, défoncez tout, on s'en fout. Appelez la police, hein. Donc, du coup... Vacances, vous avez de la chance. Donc du coup, j'ai plus envie de terminer, vous êtes tous des blaireaux, vous êtes tous virés. Allez hop, terminé. Bonne journée. Merci mon commandant. Excusez-moi, oh, est-ce que là, elle s'est recrutée? Oh, mais c'est... Oh la saloperie. Qui a fait ça? Oh là là, elle est là, allez. Ah, le bâtard. Je suis sourd. Madame, vous êtes la responsable ici?
Ah, j'entends plus rien. Disons vous êtes... que je suis... Vous êtes quoi? Je n'entends pas bien, je suis désolé. Ah, c'est moi, c'est le fait de me voir. Et ça. Bah, enfin pour les pour flash blancs et tout. Tombe sous votre charme. Non bah, je tombe sous mon charme, espèce de belge. Ça fait douleur d'ailleurs. Et pour ce qu'on voit, on voit que votre bouche. Ah, c'est toi que j'ai sauvé tout à l'heure. Non, toujours pas. Même. Non, mais tu me fais penser à elle. Pourquoi non, ça fait deux fois que tu me le dis. Comme ça, on suit toi maintenant, ça y est, on est affine. Oh. Ah bah, ouais, je lui ai dit qu'il y avait une réunion Dédé. Sécu demain. Quoi? Oui. Vous avez très. Quoi très allô bien informé, on allô des petits surnoms aussi. Allô tu m'as plus aux soirées. Mais ah, soirée. Pourquoi tu m'as plus aux soirées? Ça va bien. Comment? Tu m'as plus aux soirées, Anne Chori. 45. Non. 45 ans. Je suis déçu quand même. Ouais. Je suis déçu. Pourquoi? Je suis déçu, Loan. Je suis très déçu. Qu'est-ce qui se passe? Mais quand tu t'habillais en petit lapin avec. Tu vois, ou en croque-mort, c'était sympa. Je vais pas le dire que c'est pas bien. Pourquoi tu me vises? Hein? Bah, je sais pas. Pourquoi tu le vises, toi? Ouais, maintenant, ouais. Pourquoi tu le vises? Tu veux le mettre au courant? C'est rigolo, ça. Voilà. Pas mal. Merci beaucoup. Voilà. J'avais mal. Bon, il est où le patron? Monsieur le patron? J'utilise votre bureau. Je suis pas le patron, hein. Bah maintenant, tu es le patron, félicitations. Bravo à vous, c'est monsieur. Sympa, hein. Ouais, non, c'est une blague. Oui, se la pète avec sa garado. Vous ne passerez pas. Bon ben voilà messieurs, dames, followers, merci à tous de m'avoir suivi encore ce soir, très nombreux pour ce jeu Arma 3 modé sur Altis Life France, sur le serveur. J'espère que vous avez pris du plaisir au début jusqu'à la fin, où la fin est un peu plus longue parce que voilà, les gens sont un peu dégoûtés d'avoir perdu. Je vais, comme à mon habitude, je vais tous vous remercier pour vos follow. Merci aux nouveaux followers, merci, le cap des 300 followers ont été franchis. Merci à tous. Je compte remercier personnellement Mazdo, Excalibur, Scorpion, Skaven, Calvin Terre, Lockhart et Amilming99. Merci à vous de m'avoir followé. Merci à tous d'avoir été aussi présents ce soir comme à son habitude. Merci aux abonnés, merci aux donateurs, merci à tous. Et je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit et surtout... Et surtout, prenez soin de vous. N'oubliez pas que je vais streamer tout à l'heure sur Escape from Tarkov. Et demain après-midi également. Et sinon, je vous donne rendez-vous demain, 20h, minuit, altislifefrance.com. Allez, bonne soirée à tous. Et voilà la famille, le streaming est maintenant terminé. Mais avant de vous quitter, je tenais quand même à tous vous remercier. Merci à tous les followers et tous ceux qui ont followé dans la soirée. Merci aux abonnés et tous ceux qui se sont abonnés. Merci aux donateurs et à ceux qui ont donné dans le passé. Merci à tous de partager Springfield TV. Merci également de cette grande fidélité. Si tu as aimé, n'oublie pas de t'abonner sur YouTube pour revoir ces vidéos au petit déjeuner. Et n'oublie pas que tu as Discord pour rejoindre cette fabuleuse communauté. Et pour conclure, je tenais à tous vous remercier de cette énorme fidélité. Merci à tous, c'était Springfellow TV.